Bien, donc, soir réel, bonjour à tous. Je suis très très heureux de vous accueillir pour les travaux de ce congrès consacré à la culture culinaire marocaine. Avant de vous expliquer un peu la genèse de cette activité, le domaine d'études et comment elle va se dérouler, j'aimerais d'abord remercier les participants, le public, l'administration de la faculté des lettres, incarnée par Sted Amr Itil, vice-doyen. Donc je lui donnerai la parole, sans tarder, et après je prendrai la parole. Merci. Merci, M. Mohamed. Bonjour tout le monde. Au nom de l'administration de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'ECNES, je voudrais d'abord vous présenter les excuses de M. Doyen, mais aussi de M. le Président, qui ont pu participer à l'ouverture de ce congrès. J'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous les participants à ce congrès, aussi bien ceux qui sont venus de loin. Quand on voit le programme, on constate qu'il y a quand même une multitude de participants d'autres lieux, d'autres pays, notamment l'Algérie, la Tunisie, la France et l'Italie. Et aussi ceux qui sont venus de différentes institutions universitaires marocaines. Mes remerciements vont également aux organisateurs. D'abord, l'association marocaine, le groupe marocain de sémiotique, en collaboration avec l'association marocaine de sémiotique, le Master européen sur la culture et l'eau. Mais aussi, et spécialement, je voudrais remercier M. Barroussi, qui était la cheville ouvrière pour l'organisation de ce congrès, ainsi que les collègues qui font partie du membre, qui sont membres du comité d'organisation. Je voudrais souligner dans ce mot quelques éléments qui me paraissent importants. Il y a d'abord la spécificité du thème qui a été choisi. En effet, je pense que le thème est d'une importance qui revient à différents aspects. D'abord, le culinaire et sa relation avec le besoin biologique permanent de nous tous. Deuxièmement, le culinaire comme pratique sociale, comme expression d'une civilisation dans le quotidien, mais aussi et surtout lors des festivités multiples qu'on vit tous et dans notre pays à une renommée internationale. Enfin, comme expression d'un patrimoine qui nécessite une approche autre que celle que lui donne aujourd'hui une simple dimension folklorique. On connaît tous l'histoire du plus grand tagine, machin, enfin. Un des aspects de la réussite de cette rencontre me semble, à la lecture du programme, c'est d'avoir réussi à réunir un parterre de participants venus de différents lieux, mais aussi issus de différentes disciplines. Les approches diffèrent certainement, mais j'estime que la finalité est commune. Mettre en valeur, expliquer le sens, sauvegarder une mémoire, lire autrement les écrits et les formes d'expression relatives à l'art, la tradition et au savoir-faire culinaire marocain. Permettez-moi de dire que je n'ai ni la capacité ni les moyens méthodologiques de discuter de ce sujet. Mais je ne peux que dire, en regardant les titres du programme, moi je considère que c'est un programme menu pour rester dans le contexte du culinaire, que ce colloque a ceci de spécial. Ce programme au moins, les mets sont alléchants, les plats diversifiés et riches, les senteurs sont attirantes et la bouche et l'esprit sont invités à la fête. Je vous souhaite un très bon appétit scientifique. Merci pour... Bien, donc, merci Oustad Amar Idi pour ce mot. Alors, le culinaire et la nourriture, comme vous le savez tous, occupent une place de choix, déjà dans les textes sacrés. Si on considère un texte sacré comme le Coran, on peut, je crois, renoncer une quarantaine de sourates
où il y a évocation de la nourriture, de l'acte de manger, des plaisirs, etc., etc. Et quand je dis des textes sacrés, c'est pas seulement le cas du Coran, c'est le cas de la Bible, de la Torah, hein, et je crois, à mon avis, si à croire les trois religions monothéistes, si on est sur cette terre, si la civilisation existe, je dirais, c'est à cause d'un malentendu culinaire. Donc Dieu, comme vous le savez tous, Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas toucher aux fruits défendus, mais ils n'ont pas très bien compris la gravité de la situation, et on se trouve ici sur cette terre à cause de, ou grâce, je ne sais pas, je crois que c'est plutôt grâce à un malentendu culinaire. Bien. Mais plus sérieusement, comme vous le savez peut-être, le culinaire a commencé à intéresser les sciences humaines à partir de la fin du siècle dernier. Alors bien évidemment, je ne vais pas m'attarder sur ces aspects-là, j'en parlerai à l'ouverture des travaux, et je crois que chacun de nous va en parler selon son point de vue et selon le support, bien évidemment, qu'il a choisi. Donc le culinaire intéressera la sociologie et l'anthropologie, comme vous le savez. Et quand je parle d'anthropologie, il y a un nom qui nous vient tous à l'esprit, c'est le nom de Claude Lévi-Strauss. Alors Claude Lévi-Strauss, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé, comme vous le savez, Claude Lévi-Strauss était très très influencé par la mode du structuralisme de l'époque. Enfin, on est dans les années 50, 60, et le structuralisme était à son âge d'or. Donc il a essayé d'appliquer les catégories du structuralisme au culinaire et aux recettes de certaines tribus américaines. Bien. Donc après l'anthropologie et la sociologie, le culinaire a commencé à intéresser l'école des Annales. Et l'école des Annales, nous avons un nom illustre qui c'est celui de Jean-Louis Flandrin. Donc Jean-Louis Flandrin a laissé de nombreuses recherches sur le sel, le sucre. Et ce qui est très intéressant dans l'approche de quelqu'un comme Jean-Louis Flandrin, c'est que vous avez une vraie interdisciplinarité. C'est-à-dire, non seulement il utilise des éléments de l'historiographie, il utilise aussi des éléments de l'histoire des idées, de la linguistique, il dépouille le dictionnaire, de la sémiotique, etc., etc. Donc, à partir des années 60, grâce à l'initiative de quelqu'un comme Roland Barthes, on a commencé à s'intéresser à la nourriture comme véritable objet d'étude. Parce que, en fait, vous savez très bien, c'est encore le cas, hier je discutais avec quelqu'un, avec un professeur, il me dit oh, « c'est intéressant, c'est rigolo hein. ». Non, c'est pas si rigolo que ça. C'est un sujet très très sérieux. C'est un vrai sujet scientifique. Hein. Mais malheureusement, nous sommes encore, nous avons un certain retard. Donc grâce à l'initiative de Roland Barthes, on a commencé, beaucoup de gens ont commencé à être convaincus de l'intérêt du culinaire, de la nourriture comme véritable objet d'étude. Alors, j'en parlerai tout à l'heure. Après l'initiative de Roland Barthes, les Italiens qui ont tiré profit de ça ont développé pas mal de choses à propos du culinaire. Je parlerai tout à l'heure d'une fac entière à Bolzano, à côté de Milan, où on enseigne des disciplines autour de la nourriture. Une faculté entière, la faculté de gastronomie de Bolzano. Donc vous voyez, le culinaire, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui peut faire rencontrer des universitaires ou des gens ou des acteurs de la vie sociale. Donc, par exemple, si vous allez à Bolzano, par exemple, vous avez des universitaires, des gens qui enseignent la géographie culturelle,
qui enseigne la linguistique, qui enseigne la littérature, qui enseigne l'histoire des idées, tous autour de la, du culinaire. Et vous avez aussi des ingénieurs de l'agroalimentaire. Vous avez des industriels de l'agroalimentaire. Et tous travaillent en parfaite synergie pour promouvoir un objet. Je vous donne un exemple. Vous savez, les pâtes Panzani, par exemple, ou Barilla, vous connaissez Barilla, il y a le célèbre logo de, publicitaire, ou la formule publicitaire de Barilla, Dove c'è Barilla, c'è casa. Où il y a Barilla, il y a la maison, chez soi. Donc, pour développer la phrase, moi j'ai assisté à la genèse de cette phrase. On a convoqué des sémioticiens spécialistes de l'espace pour parler de la notion de l'espace, pour expliquer ce que signifie l'espace. Et parmi les gens qui écoutaient, c'était des ingénieurs, c'était des gens qui ne savaient rien à la sémiotique. Donc, comme vous voyez, c'est quand je dis une interdiscipline, le culinaire encourage une véritable interdisciplinarité. Ça ne reste pas des vœux pieux, comme on dit, ah, il faut qu'on collabore ensemble. Mais ce sont des choses très, très, très précises et qui peuvent donner, réaliser des profits incroyables. Des profits au niveau matériel, au niveau de l'économie. Je n'ai pas les chiffres, mais le chiffre d'affaires de Barilla ou de Ferrero, d'ailleurs, ce sont devenus des multinationales, grâce à cette interdisciplinarité. Donc, comme je dis, le culinaire peut fédérer, peut constituer le lien de rencontre, peut décloisonner, comme on dit, hein, en didactique, pour lever toutes ces barrières qui nous empêchent, nous, en tant qu'universitaires, d'ailleurs, vous savez très bien, au sein de la même faculté, des fois, on ne sait même pas ce que fait le voisin dans le département d'à côté. Et c'est vraiment lamentable. Ailleurs, dans d'autres sociétés, les gens ont réussi à faire rencontrer un généticien avec un professeur de linguistique ou de psychologie. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport ? C'est tout simplement, là j'en parlerai tout à l'heure, dans le pôle alimentation de l'université de Tours en France, on a fait rencontrer, il y avait un projet qui réunissait des historiens et des généticiens pour faire revenir, je n'ai pas les mots exacts, un mouton, une race de moutons qu'on mangeait au XVIIe siècle. C'est extraordinaire. Ou pour créer une nouvelle variété de tomates, ou faire restituer une variété de tomates qui n'existe plus, par exemple. Donc, c'est un sujet qui n'est pas si récréatif, ni si rigolo, mais c'est un sujet qui est vraiment très intéressant, qui peut se révéler très utile pour la société et pour le développement durable, dans la limite où ça permet de faire rencontrer des gens de différents horizons. Je ne vais pas m'attarder sur tout cela, parce que je vais en parler tout à l'heure, et chacun de nous, comme j'ai dit, va en parler. Ce que je voudrais dire pour terminer cette brève présentation, je voudrais souhaiter la bienvenue aux collègues qui viennent de différentes facs, hein, du Royaume et de l'étranger. Et je suis particulièrement content parce que toutes les communications vraiment font écho de façon précise et efficace aux trois axes, trois principaux axes de la problématique qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'histoire, la sémiotique et la communication. Alors, l'histoire, parce que nous allons avoir, je crois, trois ou quatre communications autour de l'histoire. La communication de Tarek Ochta sur quelqu'un qui a beaucoup travaillé, un historien français qui a beaucoup travaillé sur le culinaire, qui est complètement dans les travaux, sont maintenant oubliés, Maxime Rodinson. Elle essaie des choses très très intéressantes. Donc Tarek Ochta va nous en parler. Il y a aussi l'intervention de Mustapha Nouaré qui va nous présenter les travaux d'un célèbre historien marocain
qui a consacré une bonne partie de sa vie, qui est malheureusement peu connu, à Ahed Sati, sur le culinaire, et qui est devenu un véritable spécialiste du thé. Vraiment, c'est très intéressant. Moi, j'ai pas réussi à l'inviter parce que on n'avait pas, les circonstances ne le permettaient pas. Mais Stéphane Noiré nous en parlait amplement et il m'a fait part de son enthousiasme et de sa gratitude parce qu'il a apparemment découvert des choses merveilleuses. Donc, je suis content aussi de voir que dans les communications, les supports sont variés. Donc nous avons le culinaire dans la tradition orale, et là nous avons deux communications pour ce qui concerne la tradition de Sambiatel, tradition orale, c'est-à-dire Al-Melhoun, la communication de Oustad Zinfour, qui vient de Qnétara, qui va nous parler de Melhoun en général, et la communication de Oustad Khalid Hajji, qui va nous parler, on va zoomer, hein, vos communications se complètent, donc il va nous parler du culinaire dans une qseda, c'est-à-dire qseda et yezzata. J'espère que pendant le repas, on aura l'occasion de l'écouter. Je suis content aussi parce que le culinaire, on va parler pas seulement que dans la littérature orale, mais aussi la littérature écrite. Hein. Et il y a l'Oustad Ben Salha, l'université de Mendouba, qui va nous parler de culinaire dans un texte, la littérature maghrébine, de Brice Chahibi. Mais il n'y a pas que la littérature au sens écrit. Il y a la littérature aussi visuelle. Hein, et l'Oustad Nouéwa Pahlam va nous parler du culinaire à travers la bande dessinée, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est ça ? Littérature jeunesse. Littérature de jeunesse. Mais j'ai cru comprendre que c'était. Il y avait des dessins aussi. Oui, très bien. Donc, ça, c'est intéressant parce que nous avons du verbal et du visuel. Alors, moi, ça m'intéresse parce que pour nous, en sémiotique, le verbal et le visuel ont chacun des modes de signification particuliers. Alors, j'ai laissé pour la fin, en fait, pour la fin, ce sont les communications théoriques, je dirais, ou qui vont jeter la lumière sur les aspects théoriques, hein. Plus particulièrement les aspects sémiotiques de culinaire. Et Oustad Driss, oui, qui est à mes côtés, il va nous parler de la sémiotique, de l'interculturel culinaire. Donc, cette communication sera complétée par une communication de Hayani Mshkori Kamal, qui va, encore, parce que vous voyez, c'est un peu l'esprit de cette... Vous avez une communication qui donne un aspect général, et puis une autre qui essaye de zoomer. C'est la communication de Hayyan Mishkori Kamal qui va parler d'un aspect particulier de la sémiotique culinaire. Donc, pour compléter alors justement ce volet théorique de la sémiotique culinaire, j'ai aussi le plaisir et l'honneur d'accueillir ici et la communication de Gianfranco Maroni, qui est un des piliers de la sémiotique culinaire en Italie et dans le monde. Votre information, Gianfranco Maroni, il dirige actuellement un master célèbre, un master européen dédié complètement au goût et au culinaire. Et c'est quelqu'un de très très actif. Alors malheureusement, il vient de m'envoyer un message pour dire qu'il ne peut pas venir, mais il a envoyé une précieuse contribution que je vais vous lire tout à l'heure et qui va constituer une valeur ajoutée avec les autres communications. Donc je ne vais pas tarder, je vous remercie encore de votre présence. Et avant de commencer nos travaux, la faculté de lettres vous est invitée cordialement à une
cérémonie de thé à la faculté de... offerte par les doyens et l'administration. Et merci. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de me retrouver encore une autre fois ici à Meknès, dans cette honorable faculté des lettres et des sciences humaines de Meknès. Je suis également très heureux de participer avec mes collègues de l'association marocaine de sémiotique, mais aussi des collègues du département de littérature française, du Tonglet. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers collègues, chers étudiants, nous ouvrons les hostilités, si on peut dire, par cette première séance culture, culinaire et méthodologie. Il y aura la présentation des études culinaires aujourd'hui par M. Babossi, puis suivi de la communication de Hayane Mouskouri Kamel, la culture culinaire d'un point de vue sémiotique, et l'approche historique de questions culinaires contemporaines de Ben Omar Rachid, et éventuellement, s'il y a de nouveau, on vous avisera. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, vas-y. Mais je crois que je vais ajouter que, tant responsable de cette manifestation, professeur Khalid Hadji, qui nous parle, a exprimé le souhait d'intervenir ce matin, parce qu'il a des contraintes, il ne peut pas intervenir demain. Donc, il interviendra éventuellement, mais sûrement, à la fin, après les trois intervenants. Voilà. D'accord. Merci, merci pour ta générosité et ta compréhension. Effectivement, j'ai une contrainte de locomotion, on va dire, tiens, parce que demain je serai indisponible, malheureusement. Et donc voilà pourquoi je vais un peu déranger le programme, mais je pense que ça va être pour la bonne cause. Voilà, on va commencer tout de suite par le professeur Mohamed Ibn Mansi, qui va faire donc une présentation des culinaires aujourd'hui. C'est Mohamed Ibn Mansi que vous connaissez, c'est votre... la plupart connaissent, mais il a écrit un livre sur le culinaire, Viator in Tabula. D'accord. Et donc, un livre très intéressant que j'ai eu le plaisir de présenter il y a 2 ans à Rabat, à l'occasion d'une journée d'études sur le culinaire, justement. Et certaines idées de ce livre vont transparaître d'une manière ou d'une autre dans ce qu'il va dire maintenant et ce qu'il va dire plus tard. À vous la parole. Donc, merci, professeur Khalid. Rebonjour à tous. Alors, le titre de ma communication, c'est « État actuel des études sur le culinaire », c'est-à-dire quelles sont les études menées actuellement sur le culinaire. Alors, c'est très très difficile de faire un bilan détaillé de ce qui se fait en matière d'études culinaires dans le monde. Pour la simple raison que ces études, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on les retrouve partout. C'est-à-dire, par exemple, si vous trouvez une fac de lettres, vous les trouvez dans les départements de sociologie, on traite du culinaire. Dans les départements d'histoire, on traite du culinaire. Donc, département des géographies, etc., etc. Ça, simplement en Europe et en Amérique. Et bien évidemment, le fait, si j'essaie de vous résumer ces études-là, ce sera une chose impossible. Par contre, j'ai pensé à une astuce, hein, parce qu'il faut toujours être astucieux pour essayer d'adapter un sujet à un laps de temps, le laps de temps qui nous est donné à tous, c'est-à-dire, je crois, entre 25 et 30 minutes. Donc j'ai choisi d'en parler de la façon suivante, à travers 3 expériences personnelles que j'ai vécues et qui ont été décisives dans le choix du culinaire, dans mes présentes recherches. Alors, 3 expériences. La première expérience remonte à 1999. Donc, c'est un peu vieux. Je crois que certains n'étaient pas encore nés. Donc, en 1999, lorsque le rédacteur en chef d'une célèbre revue américaine qui s'appelle 18th Century Life m'a contacté
pour participer à un numéro spécial sur la topographie alimentaire. Pourquoi je parle de cette expérience, de ma participation à ce numéro spécial de la revue 18th Century Life sur la topographie alimentaire? Parce que j'ai eu l'occasion, parce que dans ce numéro, il y avait des universitaires d'horizons différents. Il y avait des historiens, comme l'historien dont j'ai parlé, le célèbre historien français Jean-Louis Flandrin, qui participait avec une communication. Il y avait des sociologues, il y avait des linguistes, il y avait des littéraires, et j'ai découvert de façon concrète comment ces professeurs qui sont venus de différents horizons collaborent ensemble pour écrire un volume spécial sur la topographie alimentaire. Donc c'est là où j'ai fait la découverte des travaux de Jean-Louis Flandrin. Alors Jean-Louis Flandrin, c'est un historien qui s'intéresse à des produits alimentaires. Mais pourquoi il s'intéresse à ces produits alimentaires? Parce que ces produits alimentaires sont pour lui, si vous voulez, l'arbre qui cache la forêt. Si on arrive, par exemple, à mener des études sur le sel, melha, là le sucre, ska, au 19e siècle, au 18e siècle, on peut découvrir plein de choses sur la société de cette époque, sur les gens de cette époque, sur les pratiques alimentaires. Parce que c'est ça qui l'intéresse, le produit alimentaire lui permet de découvrir les pratiques alimentaires et les pratiques alimentaires. La connaissance des pratiques alimentaires d'une époque donnée peut lui montrer, par exemple, comment ces gens-là vivaient à cette époque, de façon très, très détournée. Donc, comme vous pouvez le constater, le produit alimentaire, n'importe quel produit, que ce soit le sel, que ce soit le sucre, que ce soit un plat, ça permet, c'est un moyen pour découvrir autre chose, sur l'histoire, sur la géographie, sur l'histoire des idées, etc., etc. Alors, dans le même volume auquel j'ai participé, il y avait une Américaine, une grande spécialiste. Alors, je vais vous dire ça, chaque fois que je le dis, les gens rient, on rigole. C'était une grande spécialiste de la pomme de terre. Beatrice Fink est une grande spécialiste américaine et mondiale de la pomme de terre. Alors bien évidemment, ça fait rire. Si on va dans la rue, on vous dit, c'est une spécialiste de quoi? Une spécialiste de batata. Donc c'est vrai que c'est rigolo. Et c'est pas si rigolo que ça. Élaborer l'histoire de la pomme de terre, à quel moment elle est entrée en Amérique, quand elle est entrée en Amérique, qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui mangeait la pomme de terre en Amérique, etc., etc. Toutes ces choses-là sont importantes pour connaître l'histoire des Américains à cette époque-là. Donc, comme vous pouvez le constater, plus on étudie un produit alimentaire, plus on apprend sur nous-mêmes. Et c'est là où le célèbre adage se vérifie. C'est-à-dire, nous avons là un adage, « Dis-moi qu'est-ce que tu manges, je te dirai qui tu es ou qui es-tu. » D'accord. Donc, le fait parce qu'on a passé, je crois, on a passé 2 ans à collaborer ensemble avec des messages, etc. Donc, le fait... Alors, je vous avoue qu'au début, moi aussi, j'étais sceptique. Lorsqu'on m'a contacté pour travailler sur le culinaire, je me dis, ouais, c'est rigolo, c'est une espèce d'exercice... c'est une distraction universitaire, sans plus. Mais petit à petit, j'ai découvert que vraiment, c'est quelque chose qui est très très intéressant. On peut faire de l'histoire sans parler des grands événements, mais en parlant d'un produit, d'un plat, d'une pratique alimentaire, etc., etc. Alors, la deuxième expérience... Alors, bien évidemment,
le volume de 18th Century Life sur la topographie alimentaire, je crois qu'il est online. Vous pouvez le constater, enfin, le consulter, vous pouvez même le télécharger. Hein. La deuxième expérience, donc, concerne se situe en 2012, lorsque Gianfranco Marrone m'a invité à Palerme pour donner des cours dans le master sur le goût. Parce que, comme je l'ai dit dans la présentation, à Palerme, on a un master complètement consacré au goût. Donc, lorsque j'étais à Palerme, j'ai découvert un master où, qu'est-ce qu'on enseigne comme module ? On enseigne des modules comme fast food. Vous avez le responsable de McDonald's Italie qui vient donner des cours sur McDonald's, sur le système McDonald's. Et c'est très très intéressant parce que pour que McDonald's puisse conquérir le monde comme ça, de cette façon-là, c'est parce qu'il a développé, il a profité des recherches des universitaires, il a développé pas mal de choses pour être efficace. Donc on trouve des gens comme fast food, on trouve aussi un autre courant alimentaire, et là j'ai utilisé courant alimentaire exprès. C'est comme si on parle de courant philosophique, parce que à côté de fast food, vous avez slow food. Vous avez c'est comme maintenant, vous avez le responsable de slow food et qui développe une autre façon de manger ou de présenter les plats. Comme vous pouvez le constater, déjà dans fast food, slow food, vous avez derrière chacune de ces modes alimentaires, vous avez toute une conception de la vie, toute une conception du temps, tout un ensemble de valeurs. Et c'est ça qui est très très important, c'est cette notion de valeur qui est liée ou qui devient de plus en plus liée au culinaire. Donc, on trouve des courants alimentaires, on trouve aussi des spécialistes du packaging. Spécialistes du packaging qui donnent des cours, qui font des TD avec les étudiants pour leur apprendre la chose suivante. Et sincèrement, j'exagère pas. Pour les spécialistes du packaging, peu importe le produit. Ce qui est important, c'est pas le produit. D'ailleurs, à la limite, vous pouvez mettre n'importe quoi à l'intérieur. Ce qui est important, c'est l'emballage, c'est le packaging. D'ailleurs, un des spécialistes me disait « Je suis capable de vendre n'importe quoi. » Et les gens vont l'acheter. Grâce à quoi ? Grâce à l'emballage. Donc, vous voyez comment le produit alimentaire, lui aussi, devient un produit comme les autres. Bien évidemment, ça intéresse beaucoup. Ça intéresse beaucoup qui ? Les consommateurs, mais ça intéresse beaucoup les multinationales qui ont envie de faire de l'argent. Vendre. Et bien évidemment, et ça malheureusement, ça n'existe pas encore chez nous. Ces ingénieurs, ces économistes, ces industriels, ces fortunes-là, ils sont là, ils viennent écouter, ils viennent ici, dans des facs de lettres, écouter les universitaires et les estimer et tirer profit d'eux. Nous sommes dans un rapport d'égal à égal, de gagnant-gagnant. Ce n'est pas le cas dans d'autres sociétés, où nous avons les industriels, les milliardaires, etc., etc., qui ont une idée un peu presque méprisante des universitaires, surtout lorsque ces universitaires ont des facs de sciences humaines ou enseignent la littérature, parce que pour eux, c'est pas grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai évoqué le caractère gagnant-gagnant, mais c'est pas seulement que pour les industriels et pour les universitaires, c'est aussi pour les étudiants. Parce que
je reste toujours dans l'exemple du master de Palerme sur le goût. Les étudiants diplômés de ce master-là, une partie, bien évidemment, elle va faire, faire de l'enseignement, par exemple, va avoir une carrière classique. Mais la majorité, ils vont travailler auprès d'entreprises, de multinationales, comme soit conseiller, soit comme expert, et pour les aider. Et là aussi, dans la même entreprise, nous avons, c'est gagnant-gagnant. Donc, vous voyez comment le culinaire offre plein de perspectives. J'aime pas parler de l'emploi, hein, parce que je crois que lorsqu'on travaille bien, hein, lorsqu'on fait de bonnes études, un bon diplôme, on trouve toujours du travail. Mais ça ouvre des perspectives au niveau, comme j'ai dit, au niveau de l'interdisciplinarité, au niveau académique, parce que ça permet de la collaboration et la rencontre de gens de différents horizons. Mais ça permet aussi, hein, de booster, hein, ou de stimuler le marché de l'emploi, dans la mesure où ça crée de nouveaux postes et de nouvelles occasions d'embauche. Alors, dans le cas de l'Italie, je dois préciser, et il faudra savoir la chose suivante, c'est que en matière d'alimentaire, les Italiens ont beaucoup profité des travaux de leurs voisins français. Dans quel sens? Dans le sens où, par exemple, ce qu'on fait à Palerme, dans le master sur le goût, ou ce qu'on fait dans la fac de gastronomie à Bolzano. Parce qu'à Bolzano, à côté de Milan, dans le nord d'Italie, comme je dis, vous avez une faculté entière qui enseigne quoi? La gastronomie. Elle tourne autour de l'aliment et de l'alimentation, avec plein de départements. Donc s'il y a une telle activité ou suractivité, parce que par rapport aux autres Européens, les Italiens sont dans ce domaine-là, sont vraiment très très en avance. Si, le secret de cette suractivité, c'est que, comme j'ai dit, ils ont beaucoup tiré profit des éléments de la sémiologie, surtout de Barthes, hein, de leurs voisins français. Dans quel sens? Dans le sens où, comme vous le savez, dans l'histoire de la sémiotique ou de la sémiologie, Barthes est le premier à avoir montré à tout le monde que les catégories de la linguistique, vous connaissez les catégories de la linguistique, catégories comme signifiant, signifié, connotation, dénotation, langue, parole, etc., etc. Ces catégories-là, au début, ils étaient spécifiques au langage verbal, à la langue, comme l'a montré Saussure dans son cours de linguistique générale. Barthes, Jacques, il est venu et il a montré, il a convaincu tout le monde que ces catégories-là, on peut les appliquer sur d'autres systèmes de signes. On ne peut pas seulement les appliquer à la langue, mais on peut les appliquer aux vêtements, à l'architecture, mais aussi à la nourriture, au culinaire. Donc, dans la nourriture, dans le culinaire, on peut trouver le signifiant, le signifié, la connotation, la dénotation. Et qu'est-ce qu'il va faire, Barthes, dont, par exemple, pas mal de ses articles, surtout les articles publiés dans Mythologie, il va appliquer ces catégories de la linguistique sur l'aliment. Je prends un aliment, je prends un plat, et j'essaye de l'analyser, d'appliquer sur lui les catégories de la linguistique structurale, de voir le signifiant du plat, le signifié du plat, les aspects connotatifs, dénotatifs, etc., etc. Ça peut faire un excellent sujet de mémoire de master d'adolescent. C'est-à-dire, vous prenez une jatte de skso, de couscous, hein, et vous essayez d'appliquer sur ce plat-là les catégories de la linguistique. Donc les Italiens
ont développé ces théories de Barthes, une théorie, comme j'ai dit, qui était pionnière, qui était vraiment avant-gardiste, parce que, comme j'ai dit, personne avant Barthes ne pensait à appliquer des choses réservées à la linguistique sur la nourriture. Donc les Italiens ont développé ça, et ils sont allés plus loin. Et bien évidemment, je ne vais pas m'attarder sur cet aspect-là, parce que Hayane Mshkore Kamal va nous donner une communication très très détaillée, très ciblée sur cet aspect-là, à travers la sémiotique de l'aliment, chez quelqu'un comme Jean Falcom, par exemple. Alors, il me reste combien sur le président ? On va dire 5 minutes. Ok, très bien. Alors, je terminerai par la troisième expérience. Donc, vous voyez, ce sont des expériences qui permettent de donner une idée sur l'état des études culinaires dans le monde. Alors, la troisième expérience concerne mon séjour, un séjour académique que j'ai passé à l'université de Tours, au pôle alimentation. L'université de Tours, vous avez quelque chose qui s'appelle pôle alimentation. C'est comme une fac, hein, et ça réunit des gens de la fac de lettres, des historiens, dont Bruno Loriot, un grand spécialiste du Moyen Âge, des sémioticiens, Kylian Spamgel, et des ingénieurs, l'INRA, l'Institut national de l'agriculture. Ingénieurs. Et tous ces gens-là travaillent en parfaite intelligence. Alors bien évidemment, moi ça m'intéressait, ça me surprenait déjà de voir un ingénieur d'INRA écouter avec beaucoup d'attention un professeur de lettres. Parce que normalement, vous savez, il y a un divorce total. Celui qui est de l'INRA, c'est un ingénieur, il vient d'une fac de sciences, donc c'est la science, et puis c'est la fac de... Non, l'ingénieur de l'INRA écoute avec attention le prof de lettres, et le prof de lettres écoute avec attention l'ingénieur. Pourquoi ? Parce que ces deux personnes qui appartiennent à deux univers opposés, hein, d'accord, peuvent communiquer. C'est-à-dire, ce que j'ai pas, c'est toi qui l'as. Et ce que tu n'as pas, c'est moi qui l'ai. Et si on communique, on ne peut être gagnant dans cette perspective. Alors l'INRA, et je termine, enfin le pôle alimentation, c'est quoi leur activité ? Leurs activités sont très simples. Ils organisent soit des colloques, alors leurs colloques sont un peu particuliers. Dans leurs colloques, il y a des gens qui parlent, comme je suis en train de parler, comme mes collègues vont parler. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des stands de dégustation. Stand de dégustation. C'est-à-dire, c'est quoi stand de dégustation ? On va par exemple contacter les producteurs, on va faire un colloque, là, un congrès ou là, un festival de l'olive. Il va y avoir des stands de tous les producteurs qui veulent vendre, gagnant. Il va y avoir des universitaires, des historiens qui vont nous parler de l'histoire de l'olive volubilis, par exemple, on n'en sait rien. L'histoire de l'olive mouknaz, etc., etc. Et tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Les producteurs font connaître leurs produits, ils vendent. Les universitaires vont faire des recherches et vont exposer le fruit de leurs recherches, soit littéraire, soit historique, etc., etc. Et tout le monde est gagnant. Et, bon, bien évidemment, enfin, nous aussi, ça va nous arriver un jour. Il faut juste commencer. C'est un peu une des ambitions de ce congrès. Donc, bien évidemment, je m'arrête là parce que je vois Monsieur le Président qui s'impatiente. Donc, et je vous remercie. Merci, professeur Paul Bossi, pour cette communication très intéressante qui nous a parlé justement de, on va dire, de trois stations dans le cadre de l'expérience personnelle à propos du culinaire, l'expérience américaine, l'expérience
italienne, puis l'expérience personnelle, etc., pour des sémiotiques méthodologiques, et qui montre justement, qui a permis de montrer l'importance d'un sujet encore, disons culturellement parlant ici au Maroc, encore considéré comme externe à la chose littéraire ou bien au domaine des lettres ou bien de méthodologie moderne. L'importance de ces sujets, justement, c'est l'ouverture, comme dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le discours officiel, l'ouverture de l'université sur son patrimoine, plus son environnement socio-économique. Et l'exemple donné par Sir Bordonsi prouve justement cet aspect-là, et donc évidemment à partir d'un certain nombre de choses. Merci beaucoup. Je donne tout de suite la parole au professeur Yannick Skouri, qui est donc docteur de l'Université de Fès, qui va nous parler de la culture culinaire d'un point de vue sémiotique. À vous la parole. Merci, M. Régé. Donc, ma communication est sous forme d'une synthèse de quelques réflexions développées par Gianfranco Maroni dans son ouvrage « Sémiotique et critique de la culture, espace, nourriture, nature, objet ». Des réflexions faisant de la nourriture une forme de communication, voire l'une des formes de communication, voire la plus importante. Donc, dans quelle mesure peut-on considérer cette forme comme étant la plus importante? Et quel rapport y a-t-il entre cette forme de communication et les autres formes, à savoir la langue, le langage, le texte, le discours, et ainsi de suite? Donc, l'objectif des recherches sémiotiques est de comprendre davantage le monde et la culture sociale. Tout comme les autres sciences humaines et sociales, la science de la signification sollicite également une efficacité des méthodologies utilisées. Mais si pour la philosophie, la théorie est une vision en soi, pour la sémiotique, elle est l'accompagnement d'une praxis descriptive et interprétative, le déchiffrement d'un champ empirique de recherche, de construction et de reconstruction d'une série pertinente de phénomènes discursifs, sociaux, culturels, car faire de la sémiotique signifie la pratiquer. Selon Gianfranco Maroni, le langage de la nourriture, certainement le plus proche de l'homme et de son expérience de vie, est l'un des systèmes de signification les plus complexes qui existent. Cette complexité vient d'abord des multiples cultures que ce système nous laisse voir selon le changement des paramètres de temps et de l'espace, mais aussi des articulations signifiantes qu'il produit régulièrement. De ce fait, et selon l'expression de Yuri Lutman, la nourriture est un système primaire de modélisation culturelle. Grâce à la nourriture et aux différentes significations qu'elle génère, l'être humain donne du sens à la société, au temps et à l'histoire, voire au cosmos entier. Actuellement, le sujet de la gastronomie est abordé par des gens de spécialités différentes, des médecins, des diététiciens, des journalistes, des chefs de cuisine, etc. Donc ces nombreux intervenants ont modelé nos attitudes alimentaires et ont construit de nouveaux imaginaires de la nourriture, de la cuisine, de la table. Sans doute, ils ont modifié tout ce qui est lié à nos habitudes depuis la production jusqu'à l'élimination des déchets. Ce discours a profondément changé les notions de dégoût et de dégoût. La vocation d'une sémiotique de la culture culinaire est de mettre le point sur la portée sociale de ces modifications pour en identifier les limites et les points forts. La nourriture est donc une forme de communication qui participe avec les autres formes pour comprendre le monde et renforcer des traditions culturelles. Mais dans quelle mesure peut-on considérer la nourriture un langage à proprement parler? Autrement, comment explique-t-on le goût, l'alimentation, les techniques culinaires et les comportements à table pour communiquer? Du point de vue anthropologique, l'homme est ce qu'il mange. Cela signifie que la nourriture le représente, le signifie et contribue à construire son identité individuelle et collective. Puisque la sémiotique est la science qui étudie tout ce que l'homme, dans ses différentes manifestations historiques et géographiques, utilise pour s'exprimer et entrer en contact avec d'autres composantes du cosmos, nous pouvons affirmer que l'étude sémiotique de la nourriture est importante et même nécessaire. Les matières choisies, les techniques pour les transformer, leur disposition sur la table, les modes de leur consommation, les discours qui en découlent, les goûts et les dégoûts
sont autant de signes à interpréter et à mettre en relation avec des contextes culturels, sociaux, historiques et géographiques. Ainsi, les études sémiotiques, selon Gianfranco Marroni, distinguent deux dimensions différentes qui ne cessent de se croiser, à savoir parler de l'alimentation et l'alimentation qui parle. La première dimension est liée à l'étude des conversations, des livres de cuisine, des magazines spécialisés, des guides gastronomiques, des émissions de télé, du cinéma, dans la publicité, des réseaux sociaux et des blogs dédiés à la nourriture. Donc il suffit de penser au succès des émissions et des chaînes de télévision ou de YouTube pour comprendre l'effet de ce discours sur les gens quant à leur relation à la cuisine et à l'alimentation. Le langage affecte le goût et les pratiques culinaires et alimentaires et réussit donc à instaurer un régime de goût très différent de celui des traditions familiales. En outre, des études sémiotiques ont montré que le texte de la recette en contraste avec le genre littéraire, est un lieu de négociation implicite entre deux formes différentes de connaissances. Celle de celui qui écrit, en principe hyper compétent, et celle de celui qui lit, faiblement compétent. Tout en excluant celui qui est complètement incompétent, celui qui ignore même les noms des ingrédients est bien sûr exclu. Le lecteur de ce genre de texte doit au moins avoir une idée comment agir en cuisine. Donc l'émetteur adresse à son destinataire un certain nombre d'instructions considérées comme plus ou moins évidentes, telles que ajouter le sel, utiliser un bon bouillon, ainsi de suite. Il lui demande également de faire certaines actions qui exigent une certaine connaissance, par exemple larder, préparer une béchamel. De ce fait, la bonne réception du message de l'émetteur dépend de la richesse des connaissances de son destinataire, c'est-à-dire du lecteur. Puis, c'est la réaction de ce dernier, c'est-à-dire le lecteur, qui donne un sens particulier à la recette. La deuxième dimension, celle de la nourriture qui parle, est plus cachée, bien sûr. À travers la nourriture, nous faisons connaissance des traditions et des cultures, de la société et du monde. Selon l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, l'organisation cosmologique, idéologique et axiologique inhérente à toute culture ne précède pas, mais elle est logiquement simultanée du système alimentaire et culinaire des possibilités, des interdictions, des opportunités et des dangers, des goûts et des dégoûts. Depuis toujours, on mange ce qui est possible à manger. Les logiques fonctionnalistes qui déterminent ce qui est bon, de ce qui est mauvais, ce qui est nutritif, de ce qui est nocif, ne sont venues qu'après coup pour parler d'un système qui existait déjà. On ne mange pas que pour se nourrir ou apprécier les saveurs culinaires. La nourriture a une nature sémiotique, ce qui a permis à l'homme, bien sûr, de s'éloigner de sa nature animale pour constituer différentes formes de culture et de civilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on invoque un retour à la terre et au terroir, aux productions et aux traditions alimentaires locales, mais il faut signaler aussi que la recherche des épices et des produits exotiques ne date pas d'hier. À travers cette recherche, c'est-à-dire des épices et des produits exotiques, des gens entrent en contact avec d'autres, présentent leur culture et découvrent celle des autres. La cuisine est depuis toujours un fait social par excellence. De surplus, la nourriture est une forme de communication dans le sens où chaque aliment est porteur d'informations et donc significatif. Dans le même ordre d'idées, Roland Barthes affirme que la nourriture n'est pas seulement une collection de produits, mais ces derniers entrent avec les techniques, les usages dans un système de différentes significations. Et dès lors, la communication alimentaire est fondée. Fin de citation de Roland Barthes. Gianfranco Marroni, de sa part, dit que la nourriture dépasse sa fonction de carburant de corps et aboutit, en contribuant à la créer, à une sémiosphère dans laquelle elle a un rôle de premier plan, en entrant en relation avec le reste du monde, en signifiant quelque chose d'autre qu'elle-même. Fin de citation. L'auteur nous donne l'exemple de la relation entre la nature et la culture, et le rôle que joue la nourriture dans cette relation. Dans ce sens, on peut lier la dichotomie cru-cuit à la dichotomie nature-culture, car une nourriture crue, par exemple une salade, n'est pas forcément naturelle, mais elle signifie nature. De même pour la nourriture cuite, le pain par exemple,
puisqu'elle est plus élaborée que la première, donc signifie culture. Donc c'est le degré de transformation qu'ont subi les aliments qui permet de distinguer ce que signifie nature de ce que signifie culture. Car le rôle du sémioticien est la recherche de la signification fatale. Alors que la recherche des coutumes, des rituels et les différentes cultures, c'est l'apanage de l'anthropologue. Par exemple, si le rôtissage, un exemple, chez l'anthropologue est masculin, nomade et endogamique, pour le sémioticien, il signifie cet autre imaginaire social. Maintenant, la relation entre la nourriture, la langue, pour passer à autre rapport. Donc, la nourriture et la langue sont deux formes de communication dont l'analyse permet de relever plusieurs ressemblances. D'abord, et à l'instar des systèmes énonciatifs des différentes langues qui, comme le souligne Rastier dans son ouvrage « À sens du texte », distingue entre une zone intime, celui-ci, ici, une zone proche, celui-là, là, et éloigné là-bas. Donc les espèces animales, comme souligne Gianfranco Marroni, sont comestibles ou pas en fonction de la zone dans laquelle elles se trouvent. On ne mange pas des aliments qui sont à la maison, celui-ci ici, c'est intime. On mange ceux qui sont dans la cour ou dans des lieux accessibles pour nous, proches. On ne mange pas ceux qu'on croit exotiques car ils sont dans une zone impénétrable, donc éloignée. Ensuite, nous savons que le langage est composé de deux unités étroitement liées, l'expression et le contenu. Nous savons également que ces deux unités se complètent pour construire une signification et qu'il est impossible de trouver l'une sans l'autre ni de déterminer qui précède l'autre. De même pour la nourriture et ses différentes manifestations. Il est par exemple difficile, sinon inutile, de séparer la fête de la nourriture qui la célèbre, ou de séparer l'interdiction du cannibalisme de la dimension sacrée du corps humain. De ce fait, les deux dimensions de la communication dont nous avons parlé, la nourriture qui parle et parler de la nourriture, s'intègrent mutuellement dans la pratique sociale. Et on n'arrive pas à déterminer si la nourriture signifie parce qu'on en parle, ou on en parle parce qu'elle signifie. Ce qui importe pour la sémiotique, c'est la signification. Puis, selon Saussure, les langues sont des formes et non des substances, car leur spécificité n'est pas dans les sons, mais dans la manière de les articuler les uns avec les autres dans un système donné. La nourriture est aussi organisée en un système de différence. Pour élucider davantage cette idée, Marroni nous donne l'exemple des spaghettis qui constituent en Italie un plat principal, alors qu'en France, ils sont servis sans assaisonnement comme accompagnement d'un autre plat. Donc les spaghettis sont les mêmes, mais ce qui les rend significatifs est donc l'expression d'une identité et la manière d'articuler leurs composantes avec elles et avec les autres substances avec qui elles peuvent être mises en relation. Enfin, les linguistes distinguent deux aspects principaux des systèmes de signes, celui des modèles sociaux abstraits et partagés et celui de leurs usages idiosyncratiques par des groupes et même des individus. Donc aucun locuteur ne peut s'exprimer à sa façon sans une langue qui le précède. Mais aucune langue ne peut exister si elle n'est pas parlée par quelqu'un. De même pour la nourriture. Aucun plat ne peut être préparé si ce n'est à partir d'une forme idéale de référence, un type. Mais cette forme idéale n'existe que parce que, peu à peu, grâce à la préparation des plats individuels, un modèle général s'est en effet institué. Pensons par exemple au couscous marocain. On le prépare partout au Maroc parce qu'il a été préparé plusieurs fois depuis des années. Mais chaque personne peut dire c'est mon couscous, pour insinuer que c'est le résultat de sa tentative, c'est-à-dire son usage idiosyncratique, d'incarner un plat idéal qui existe déjà. Cette remarque est aussi valable pour tout ce qui a trait à l'alimentation, c'est-à-dire les outils culinaires, la manière de s'asseoir à la table, l'architecture des restaurants, et ainsi de suite. Donc la transmission de ce savoir, savoir-faire et savoir-être se fait à travers le temps et l'espace.
d'une génération à une autre et d'une communauté à une autre. L'alimentation est donc un dispositif culturel dont l'étude permettra de ressortir des significations précises d'un imaginaire social aussi invétéré que répandu. Sémiotiquement parlant, il n'y a aucune différence entre la dégustation d'un plat et la recette du même plat publiée dans une revue ou présentée dans une émission. Les deux formes sont existantes et fonctionnelles dans un imaginaire qui est à la fois gastronomique et social, culinaire et anthropologique. C'est pour cette raison que Gianfranco Maroni propose deux modèles sémiotiques pour étudier les deux aspects. Le premier modèle étudie le lien entre les techniques culinaires, les systèmes de goût et les idéologies diététiques. Donc les nouvelles techniques culinaires tendent à ajouter des goûts supplémentaires grâce à des sauces et des assaisonnements. Pour le goût, les gens sont tiraillés entre les effets de la nouvelle technologie, c'est-à-dire le fait d'ajouter des sauces et des assaisonnements, entre le bio aussi, et la recherche d'un goût de la cuisine traditionnelle. Donc, entre le fait d'ajouter une sauce, de respecter, c'est-à-dire manger ce qui est bio, ou maintenir une tradition ancienne, familiale. Quant aux idéologies et diététiques, actuellement, les pratiques culinaires sont influencées par la pratique de la soustraction et le mythe du sang, sans sucre, sans glucides, sans graisse, et ainsi de suite. Plus qu'on élimine, plus qu'on se sent en sécurité. Donc ces différentes tendances font ressortir des oppositions sémantiques entre ajouter des assaisonnements et des sauces, maintenir une tradition culinaire, respecter ce qui est bio, et enlever la soustraction, enlever le sucre, les glucides, et ainsi de suite. Le deuxième modèle étudie les liens entre les personnes à table en rapport avec les objets situés sur la table. Gianfranco Maroni met l'accent sur la différence entre le lien social et le lien affectif entre les personnes selon la nature et la richesse des objets mis sur la table et le contexte de leur consommation. Par exemple, il y a un lien plus affectif que social entre les personnes prenant un repas simple ou fait à la maison, alors qu'il y a un lien plus social qu'affectif entre les personnes prenant un repas d'affaires. Comme nous pouvons le constater, les deux modèles font de l'alimentation une forme de communication où substances et personnes interagissent et produisent du sens, ce qui nous mène à nous interroger sur la définition de l'objet d'étude de la sémiotique culinaire ou ce qu'on appelle le texte culinaire. Gianfranco Maroni définit le texte culinaire comme suit. Il s'agit, je cite, « Il s'agit de toutes choses, événements ou situations liées à l'alimentation, à la cuisine, à la gastronomie, à la table, qui sous certaines conditions formelles produit du sens humain et social, le fait circuler et le traduit dans un autre sens. » Fin de citation. Le texte culinaire n'est pas seulement ce qui est écrit, mais tout ce qui est lié à l'alimentation et qui signifie quelque chose. Le plat, par exemple, comme déjà l'exemple qu'a donné M. Barancé de couscous. Donc, le plat, par exemple, est composé de plusieurs substances. C'est le plan syntagmatique, hein, qui lui donne un goût. Mais la nature et la quantité de ces substances, le plan paradigmatique, et les différents résultats obtenus font référence à un imaginaire social et culturel précis. Partant du fait que le texte littéraire est un ensemble de phrases ou un enchaînement déterminé de plusieurs unités de sens, le texte culinaire doit dépasser la notion de plat à celui du repas et tout ce qui l'accompagne. Tout texte comporte un début, une articulation, un développement et une fin. De même pour le texte culinaire, qui peut être articulé de différentes façons, renvoyant à des identités multiples. Par exemple, un repas peut suivre la succession suivante. Entrée, plat principal, dessert. Et ce, chez plusieurs identités ethniques. Mais il peut avoir un autre ordre et une autre codification chez d'autres identités. La production du texte est aussi révélatrice d'une identité précise.
Si par exemple au Maroc, la partie liée à la réalisation du texte culinaire se produit majoritairement dans la cuisine, dans d'autres cultures, on ne peut pas séparer le lieu de la réalisation de celui de l'activation. En Chine, par exemple, on trouve à table un certain nombre d'assiettes avec divers ingrédients et produits, dont le convive peut essayer, sélectionner ce qu'il veut pour composer le texte de son repas. Toutefois, ces pratiques subissent incessamment des modifications, et ce, en raison des relations sociales qui s'élargissent et dépassent les frontières, et grâce aussi à la mondialisation et les mécanismes de généralisation qui l'accompagnent. Dans chaque époque, on trouve des cultures qui donnent une valeur plus ou moins importante à une pratique liée à son code alimentaire, soit en rendant pertinent un lieu, un moment, une façon. L'exemple le plus illustratif est celui du célèbre banquet de la Renaissance, avec une table dressée à l'excès, avec de bonnes choses en abondance. Mais la disposition des objets sur la table reflétait une hiérarchie sociale précise, car on mettait les différents objets sur table selon l'endroit où étaient assis le prince, le seigneur, les dignitaires, les religieux, les papes, et ainsi de suite. Et tout le monde mangeait ce qu'il a devant lui. On peut dire que la cuisine et la table parlent des relations sociales, mais aussi à l'inverse, les relations sociales expliquent les choix alimentaires. C'est la même chose quant à la relation du culinaire à toutes les autres sphères sociales, la religion, la politique, l'économie, et ainsi de suite. Chaque sphère parle de l'autre, et à un certain moment, et sous certaines conditions. Maintenant, la relation entre le discours et la nourriture. Donc, selon le raisonnement de Gianfranco Maroni, c'est le discours en général et la dimension sociale de la langue, le discours gastronomique et la socialisation de la sémiotique de la nourriture. Par discours gastronomique, le penseur italien entend les différents textes culinaires dont on a parlé. Un discours qui aborde des thèmes à développer et des informations à relever liées à l'espace, le lieu et aussi les personnages. Par exemple, le phénomène du street food. Donc, ce phénomène nous donne à voir des thèmes comme l'ethnicité, la nourriture simple, la commodité, la flânerie, la densité des fumées, les odeurs fortes et ainsi de suite. Il nous permet aussi de relever certaines informations liées à l'espace, par exemple la rue, les quartiers populaires et les banlieues de la ville, et de prévoir des temps précis, le repas, et de penser à des acteurs sociaux spécifiques, masculinité au foyer contre féminité au foyer. Toutefois, l'analyse de ce discours et les résultats obtenus quant aux caractéristiques ethniques de la communauté étudiée doivent être liés à une période historique précise, car ces résultats restent momentanés et changeants à cause de l'interaction permanente entre plusieurs habitudes culinaires. Et les questions donc, selon l'expression de Gianfranco Maroni, des processus culturels et des formes dynamiques en transformation et en hybridation continue. Cette hybridation est, à notre avis, la cause de l'existence du même plat dans plusieurs pays, comme le couscous au Maghreb. Et chaque pays prend que c'est son plat national et identitaire. De surplus, qui dit discours, dit énonciation. Et les deux pôles du discours gastronomique, l'énonciateur et l'énonciataire, sont le producteur et le consommateur. Le réalisateur d'un plat est un énonciateur. Mais par réalisateur, on n'entend pas seulement l'individu qui a produit, mais aussi toute une subjectivité culturelle qui se trouve derrière la production culinaire. De même pour le consommateur, ce n'est pas seulement l'individu qui mange, mais tout un ensemble de modalités et de valeurs liées à la consommation de tel ou tel plat. La relation entre l'énonciateur et l'énonciataire s'établit selon le principe de consommation et du goût. Deux principes étroitement liés, la consommation ou la digestion, est comprise comme une modification naturelle de la nourriture, alors que la cuisine serait sa transformation culturelle. Tout se détermine d'après l'entrée et la sortie des substances, et dans la cuisine et dans le corps humain, doté lui aussi de deux orifices très significatifs au niveau des valeurs gastronomiques. Donc le passage du culturel au naturel est possible dans le corps humain.
alors qu'il est impossible dans la cuisine, et vice-versa. Selon Paolo Fabri, cette orientation obligatoire des substances dans le corps humain donne du sens au goût et au dégoût. Le goût consiste à suivre l'orientation correcte des processus de transformation des matières en entrant par la bouche et sortant par l'anus. Et le dégoût consiste dans la direction inverse, c'est-à-dire la sortie de la bouche ou l'ingestion de ce qui est sorti de l'anus. Toutefois, expliquer ce que signifie le goût pour quelqu'un est toujours difficile. On en parle tout le temps, mais on n'arrive pas à le définir. Et ce, en raison des multiples acceptions qu'il peut avoir et des différents phénomènes sociaux où il s'est déplacé. Généralement, le goût est une qualité sensible des choses, une propriété des substances, salée, sucrée, amère, aigre, ainsi de suite. Il peut également désigner non plus les propriétés de l'objet, mais celles du sujet. Certaines de ses compétences sensorielles, liées précisément au savoir individuel, à ses capacités à reconnaître, discriminer et sélectionner, distinguer et hiérarchiser les saveurs et les choses, et avec elles, les choses elles-mêmes. Le terme de goût dépasse aussi le domaine des matières comestibles et atteint la subjectivité des individus vis-à-vis de l'art et de la beauté. Avoir du goût, c'est savoir reconnaître et apprécier les œuvres d'art, leur beauté ou leur laideur. Cette dernière acception renvoie à la notion du goût général, d'un groupe, d'une collectivité, ou ce qu'on appelle l'intersubjectivité. Avoir du goût, c'est partager avec les autres les mêmes plaisirs et déplaisirs, les mêmes goûts et dégoûts, en se reconnaissant ainsi comme faisant partie d'une communauté, d'un groupe de personnes qui, dans le partage du même goût, s'établit en tant que forme sociale unitaire et close, différente des autres, et pour cela reconnaissable de l'intérieur. Bref, le goût, dans la première conception, renvoie aux matières comestibles et aux consommateurs, se déplace à tant d'autres domaines et devient à la fois quelque chose de très intime, personnel, subjectif, et quelque chose qui a un caractère collectif et partagé. D'une manière ou d'une autre, par conséquent, quelque chose qui unit. Nous avons les mêmes goûts, hein. Et sépare. Je ne pourrai jamais manger cette chose-là. En guise de conclusion, la sémiotique de la culture culinaire étudie tout ce qui a trait à l'alimentation, de la production jusqu'à l'élimination des déchets, et met en évidence les multiples relations sociales et culturelles qu'entretient l'être humain à chaque pratique culinaire. Des relations qui instituent un imaginaire social déterminé dans le temps et l'espace. D'une région à une autre et d'une époque à une autre, on constate que cet imaginaire change continuellement. Il est question donc d'une forme de communication en transformation et en hybridation continue dans le facteur déterminant et la recherche de nouveaux goûts et de nouvelles pratiques. Je vous remercie. Merci, Yannick Scholli, pour cette interprétation du point de vue de Maroney concernant le culinaire. C'est très intéressant. Il y a des choses que nous partageons avec ce qu'il a évoqué, notamment la question de la variété des plats sur la table ou bien lors de passage, mais aussi la question de la diversité des goûts. Nous en reparlerons peut-être après au niveau du téléphone avec mon collègue de Kinitra, Zemfour et moi-même. C'est très intéressant, donc il y a quand même à ce niveau-là, il y a une approche et une méthodologie qui est mise en valeur, évidemment, qui s'appuie sur des exemples précis et particuliers. Je donne tout de suite, sans plus tarder, la parole au professeur Sibn Omar Arachid de l'Université de Meknès, qui va nous parler des approches historiques, des questions culinaires contemporaines, sa communication en arabe. اليسيرة التي يمكن أن نتناولها على اعتبار بأنها تدخل في معاش اليوم لدرجة أن لا نسائل عن
ما هي الجذور التاريخية مثلا أو ما هي اللغة التي يقدمها الطبخ كما أشارت بسام كمال ومجموعة من الأسئلة في هذا الاتجاه. قد أقدم اعتذاري لجمهور الكريم على اعتبار أن مداخلتي لم يكن لها الحيز الزمني الكافي للتنقيب على أمهات الكتب المغربية التي تناولت موضوع الطبخ، وإن كانت أنا تناولته بشكل عربي بعبارة أوضح في البحث المغربي إلى يومنا الراهن، على اعتبار بأننا لنا تلك تبعية مع المنهجية الفرنسية أو الجامعة الفرنسية، إلى يومنا الراهن لم نعثر على أي ندوة أو أي مؤتمر يتناول هذا الموضوع ما عدا هذا المؤتمر الذي نحن في حضرتنا. وبالتالي أن يبقى موضوع الطبخ هو يدخل ضمن المنهج الجامعي الذي تقتضي به الجامعة المغربية إن صح التعبير، فهو يدخل في الدراسات المونوغرافية، على اعتبار أنه هذه الدراسات المونوغرافية هي تنتمي إلى مدرسة الحوليات، والتي تنتمي روادها فيبر ومارك بلوخ وفرناند برودل، وأن هذه مدرسة الحوليات انشقت منها منهجية تعرف بالمنهجية المونوغرافية. إلى يومنا الراهن على مستوى التاريخ لم يسبق أن هناك أطروحة تناولت موضوع البحث في الطبخ، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من المواضيع التي لا زالت بكر في البحث العلمي، مسألة اللباس على سبيل المثال، مسألة الحلي، وكل ما يتعلق بالإنسان. فالطبخ بدوره يدخل في خانة المواضيع التي يجب على الباحث، وخاصة أتكلم أمام طلبتي، يجب على الباحث في التاريخ وليس في التاريخ فقط، كما سبقت الإشارة الجانب السيميائي، الجانب الثقافي. وأشكر بالمناسبة الأستاذ البرنوصي لأنه فكر في كل مكونات المنهجية التي يمكن أن تخدم موضوع الطبخ، وأن تضع مقاربة شمولية بما فيها الجانب التاريخي والسوسيولوجي. مع الأسف أننا في المغرب لا نتوفر على الأنثروبولوجيا، وكان بإمكان أن الجانب الأنثروبولوجي أن يمهدنا أو يعطينا من المعلومات حول الطبخ. كانت لابد من هذه المقدمة حتى نؤطر من جانب المنهجي مداخلتي، وكذلك لأصل إلى عمق أن إشكالية تطرق البحث التاريخي للطبخ في المغرب هي منسجمة كل انسجام مع إشكالية بحث عن المكونات أو الثقافات التي انصهرت في المغرب، على اعتبار بأن المغرب ظل منذ قدم التاريخ بلد المنفتح من 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 بخصوصياته جيولوجية أو جيوسياسية إن صح التعبير. فانفتاح المغرب جعله في ضفة جنوبية البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما جعل فرناند برودل في أطروحته المتوسط والعالم المتوسطي على عنفه الثاني يذكر كذلك خصائص المغرب الاجتماعية، إلا أن في هذه الخصائص في محاولة تقربها مع الضفة الشمالية، في هذه الخصائص نجد أن هناك تلاقح ثقافات الرومانية والوندالية، ودون الحديث عن الخصائص أو التركيبة السكانية للمغرب العرب والأمازيغيين وكذلك الأندلسيين الموريسكيين الذين قدموا من إسبانيا أو من الأندلس. لماذا كان لابد بالتذكير من هذا، من هذه الفسيفساء أو من هذه التركيبة السكانية للمغرب والمغاربة، لنصل إلى كون أن الطبخ بدوره هو إنتاج لهذا التناقح وهذا الانصهار بين كل المكونات الثقافية، وهذا الإنتاج أعطانا
مجموعة من الأطباق التي اشتهر بها المغرب وليس غريب أن يصنى رقم جوج عالميا وراء فرنسا. إذن هذا الخليط وهذا التماجج بين المكونات التي انصهرت في المجتمع المغربي دون أن ننسى كذلك المشرق وكذلك وانصهاره سواء فارين من العباسيين أو الذين استقدموا مع المولاي إدريس الأول كل أو الهجرات القبائل العربية بني معقل وبني هلال إلى المغرب كل هذه العوامل ساهمت في إغناء الطبخ المغربي وهذا الإغناء يعود بالأساس إلى كيفية استعمال الطبخ المغربي للتوابل حين نقول التوابل نقول انفتاح المغرب على المستوى التجاري منذ القدم على الشرق وعلى آسيا وحين نقول الشرق الصين وآسيا نقول كذلك بتلك النقلة أو تلك تجربة الطبخ الآسيوي كذلك في المغرب من خلال أبحاثي لم أعثر على كتابات حول الطبخ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ولكن فوجئت بباحثة أمريكية التي قامت بتأليف كتاب حول طبخ الإمبراطورية المغربية فالاستنتاجات التي توصلت إليها هذه الباحثة الأمريكية قد تبدو للوهلة الأولى أنها عادلة على اعتبار بأننا نتعامل مع الموضوع بشكل لا نسائل فيه عن ما هي المادة المصدرية أو ما هي الحيز التاريخي مثلا التي يعود إليه طبق من الأطباق المغربية حتى لا أقول طبق معين فالباحثة أشارت إلى كون أن على سبيل المثال الكسكس الكسكس أشارت إليه أنه أكلة أمازيغية بامتياز وهنا تصادف هذه القولة تصادف قولة أتى بها أبي الخالد الناصري في كتاب الاستقصاء حين كان يروي لنا في ظل المجاعة التي كان يعيشها المغرب في القرن السادس عشر وكيف عملت الزاوية الجازولية على تنظيم مأدوبات غداء للمريدين ولزوار الزاوية وكانت أعدت لهم أكبر طابق لكسكس في تلك الفترة بحيث أن كان يعملون على تقليب الكسكس بما يسمى بالمدرع ماشي بالمدرع هذه مش كيقلبوا مزرع في الدراس وأن ذبحت أكبر عدد من رؤوس الأغنام وكذلك الأبقاء لتهيئ وجبة الغداء فحين كانت هذه المصادفة واستحضرت الواقعة واستحضرت ما ذكره الناصري إذن فجذور الكسكس وإن كان أمازيغي فهو لم يعد كذلك على اعتبار بأنه أخذ تغيرا على حسب المائدة التي سيكون فيها فمثلا إذا طلقنا من الكسكس الأمازيغي الذي يعد بمجموعة من الخضار فلم يكن هو الحال بالنسبة للكسكس في المائدة الفاسية على سبيل المثال حتى يكون بالبصل والزبيب ولم يكن هو كذلك في وجدة ولم يكن كذلك هو في الحوز إذن فالشكل الذي سوف يأخذ هذا الطبق سوف يتغير وفق تغير وهذا ما أشكر الأستاذ كمال لأن استفدت من مداخلته وهذا ما يسمى لغة الطعام التي تفوق لغة الترحاب للضيف بقدر ما أنها تترجم ذلك التحول بمسلكيات المجتمع من قبيلة إلى أخرى ومن قرية إلى مدينة وهنا نأتي إلى الحديث أن الطبع بدوره تحول في المغرب فكان وحدة الحماية أحببنا أم كرهنا فالاستعمار الفرنسي
أحدث طفرة نوعية على المستوى الاجتماعي. هذه الطفرة لا تتجلى فقط في تفتيت النظام القبلي أو تفتيت في سلوكيات الإنسان واستهلاكه، بل كذلك حتى في الطبخ المغربي. كيف ذلك؟ كون أن فرنسا في تواجدها في المغرب حملت معها الطبخ الأوروبي، وإن كان في الطبخ الأوروبي عرف في المغرب منذ القرن التاسع عشر، ولكن لم يكن هناك احتكاك بهذا الطبخ إلا بتواجد الأوروبيين في المغرب. تواجد الأوروبيين في المغرب وتفتيت النظام القبلي قلص الرقعة المجال القروي لتتسع بذلك رقعة المجال الحضاري، مما أنتج هناك تحول على المستوى سلوكيات الإنسان المغربي. ويتمظهر هذا التحول في نوعية اللباس الذي أصبح يرتديه الإنسان المغربي، في مجموعة من العادات التي أصبح يتقمصها الإنسان المغربي في تخليته على كل ما هو مغربي وما هو تقليدي. فالمطبخ كذلك على مستوى البناية، على مستوى المطبخ الكوزينة يعني باللسان الفرنسية، شملها كذلك هي بدورها شملها تحول في إطار تحول الذي خضع عليه تصميم البيت المغربي. فلم يعد المطبخ في الرياض والبيوتات في المدينة الأصيلة هو بنفس المواصفات الذي أصبح عليه المطبخ في البناء بالتصميم الحديث. وبالتالي هذا التحول في حد ذاته كان له تأثير على نوعية الطعام أو تقديم وجبة الطعام. فإذا كان المغاربة يأكلون بشكل جماعي كما تصف ذلك باولا باوريت مثلا كيفية الجلوس على الأكل والأكل بثلاث أصبع وبالي، فأصبح المغربي بدوره يأكل في صحن واحد وتخلى عن عادته. صحيح أن الظاهرة لم تعمم بشكل كبير، ولكن هي ظاهرة موجودة حاليا في البيوت كما هي في المقاهي كما هي في الفنادق. وبالتالي أن عملية تقديم الوجبة تخلى لها نوع من التغيير، فأصبحت تقديم الوجبة على المستوى الفردي تحاول ما أمكن أن تكتسي نوعا من الجمالية لفتح الشهية بالنسبة للأكل. في حين أن الوجبة التي كانت عند المغاربة بشكل جماعي كانت كذلك هو الشأن بالنسبة للتحول الذي أصبح على المطبخ المغربي. أصبحت تؤخذ بعين الاعتبار مفاهيم أخرى، الجانب الصحي مثلا، الجانب الحميات مثلا، بحيث أن الطبخ المغربي كان يتصف أنه طبخا يتسم أنه دسم في جميع الوجبات حتى في الوجبات الشعبية. وعلى ذكر الوجبات الشعبية يجب أن نقول كذلك بأن رغم أن الطبخ المغربي لم يعرف هناك توزيعا على المستوى الاجتماعي يعني الكلاس سوسيال، ولكن رغم ذلك كانت هناك وجبات شعبية نظرا لسهولة الحصول على مواد المكونة لطبخ المأدومة. القطاني على سبيل المثال اللي صار العدس وهل مجرم، في حين أن هذا الطبخ قل ما نجده مثلا عند الأسر الأرستقراطية أو الأسر البرجوازية، بحيث أن طبق القطاني يكون فقط عند مدخل الأكل مثلا نوطري بالنسبة للبصرة أو العدس، في حين أن هناك إذن لا يمكن أن نجازف بالقول أن الطبخ كذلك في المغرب خضع لتقسيم اجتماعي. لا يمكن أن نجازف بذلك على اعتبار بأن المغاربة كلهم كانوا ذواقين للطبخ وكلهم كانوا يتعاملون مع الطبخ خاصة عند تقديم الوجبات للضيوف. ولكن هناك محطات يمكن أن نسجلها في التاريخ كان المغربي يعوزه
الحصول على مجموعة من المكونات للطبخ. وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن هذه المحطة محطات قياس من المقاييس لتقسيم الطبقات الاجتماعية أو الفئات الاجتماعية، على اعتبار بأن كل المغاربة كلهم يتذوقون من جميع الأطباق باختلاف في مكوناتها. لنأتي حسب دراسة باولا أولبرايت أنها صنفت حتى تلك الوجبات الأساسية الأكل، وصنفت كذلك كيف يتعاطى الإنسان المغربي مع الأكل، وجبة الفطور، وجبة الغداء، وجبة العشاء. وهناك من حيث لا ندري هناك دراسة مقارناتية مثلا مع كيف يتعامل الأنجليزي مثلا في الأكل في الوجبات اليومية، كيف يتعامل الفرنسي كذلك، بحيث أن المغربي قبل الحماية كان الأكلة الأساسية عنده كانت هي الفطور، كان يقوم في الصباح يذهب إلى الحقل، لا ما كيفطرش حتى بعد العودة من الحقل، بعودة من الحقل كان يأكل بشراهة، في حين أن وجبة الغداء كان يكتفي بذلك، وكانت هناك وجبة العشاء كذلك. الآن المغربي هل أصبحت له نفس الوتيرة؟ المغربي يأكل بشكل نزير، بشكل قليل مادة في الفطور، ولكن في الغداء والعشاء ويأكل بشكل كبير في الغداء على أساس أنها الوجبة الأساسية، ولكن في العشاء هل يتعشى أو لا يتعشى؟ إذن بصفة عامة لأن الرئاسة طلبتني بالاختصار، بصفة عامة لا زالت دراسات تاريخية في مجال الطبخ كما هو الشأن في مجموعة من المواضيع لا زالت بكر، ولا زال أمامنا كجامعة مغربية لا زال أمامنا مجموعة من المواضيع التي يمكن، وليس فقط كشعبات التاريخ، بل يجب التعاون بين الشعاب لكي نصل إلى سبط أغوار المعرفة في مجال من المجالات، وهذا ما كانت تقوم به الجامعات الأوروبية وعلى رأسها الجامعة الفرنسية، بما أننا متأثرين بالجامعة الفرنسية، حين كانت تبلور مشروع منهج من المناهج، وكما أشرت إلى ذلك تجربة مدرسة الحوليات هي التجربة التي يمكن أن نقتدي بها. شكرا للحضور الكريم وأعتذر. شكرا للأستاذ حليم على هذه المداخلة سي نقاط. Merci de l'approche historique de la question culinaire contemporaine a permis de démontrer le changement de culinaire avec le changement des habitudes et des traditions, et aussi le mode de vie des maisons, des foyers. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, donc certainement il y aura, au niveau du débat, il y aura des choses à dire. Je me donne la parole, tu me donnes la parole. Donc comme j'ai dit, je vais faire le modérateur pour annoncer une exception, à savoir que je suis à des contraintes, je ne veux pas être long, va faire sa communication aujourd'hui au lieu de demain. Merci. À vous la parole. Merci, si Mohamed Bamossi, pour cette exception. En fait, je suis désolé d'avoir perturbé le programme, mais donc la question du culinaire qui vient à travers sa représentation dans le Belhon, le cas de Qasidat Zerda et le Qasidat de Zerda Afès. En fait, je vais introduire aussi une comparaison. قصيدة الزردة تاع بن علي المسفيوي كي انا فاس لوغين دو مولاي الحسن الاول سو لوغين دو مولاي الحسن الاول 1873-1894 اي زردة فاس دو محمد الهضري الوغ بنون فؤاد بنون تخادوي زردة باغ فيستان
Moi, je suis pas très. Je n'aime pas du tout le mot festa. Le mot festa, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus. Alors que dans le festa, dans le zada, il y a la notion de débordement. Donc, moi, je traduirais par ripaille, l'iripaille. C'est beaucoup plus intéressant, il me semble. Alors. Mohamed Al-Hadri, toujours, donc il est né à Fès en 1909. Donc nous allons étudier la représentation du culinaire dans cette forme poétique, très appréciée dans toutes les classes sociales. Alors, j'ai eu l'occasion, comme je vous ai dit au début, que j'ai déjà travaillé sur la représentation du culinaire dans la littérature, notamment la littérature française, où il est question, effectivement, de tout un art quand il s'agit du culinaire, mais aussi dans les mille et nuits, dans les, ce qu'on appelle les siyar, ou bien dans les récits orales, populaires, où il y a une vraie rhétorique de la table, où il y a la manière avec laquelle on présente les plats. Et souvent, ce ne sont pas des représentations réalistes, au contraire, c'est des représentations où il y a beaucoup de subjectivité, dans la mesure où les adjectifs trahissent justement le point de vue de celui qui décrit. Donc nous avons ici dans le Melhoun donc un discours populaire particulier. Alors on considère le Melhoun comme de la darija, mais en fait c'est une darija un peu particulière, ou si vous voulez savante. Donc et à ce niveau-là, ce que dit Sim Skouri mais aussi mes collègues concernant la langue du culinaire, c'est une langue particulière qui n'est pas du tout ordinaire. Et donc, nous sommes présents d'une forme savante chaque fois qu'il est question de parler du culinaire, y compris chez les journalistes du culinaire. Donc, un discours populaire où le savoir-faire du poète s'associe au plaisant du contenu de sa modélisation. Souvent, dans la Zdada, vous avez rien que par l'énonciation du titre, le nom Zdada, vous avez ri. Pourquoi ? Ça veut dire que le poème est dès le départ associé au comique, associé au plaisant, ce qu'ils appellent le plaisant. Donc il y a à la fois le plaisir, mais aussi il y a le plaisant, ce qui agrémente le discours. Ce n'est pas tout à fait le cas concernant Zadda Fifès, où il est sur une autre histoire. C'est une représentation beaucoup plus savante, parce que c'est s'insère dans le cadre du récit. Donc nous sommes présents dans le premier texte Zadda de Ben Ali Msfi, d'une modalisation du discours par l'invocation de la générosité sur le voisin, de l'homme gourmand. C'est un homme qui aborde son voisin, lui dit, il faut m'inviter, hein, voilà, et prépare-moi un festin, prépare-moi une zada, des ripailles. Ce dernier, donc le gourmand, rappelle la figure du tofaili. Bon, le terme n'existe pas en français, mais on va le traduire par l'importun, qui s'impose chez les gens au moment des cérémonies, sans y être invité, afin de profiter du destin, du festin. Nous avons une tradition littéraire al-maqamat, donc vous connaissez les séances, le hadidi, etc. Je vous renvoie au livre de Kilito qui a été publié en 83 chez Sindibad, l'édition Sindibad, qui parle de cet aspect-là. Ces maqamats ont été en fait programmés au concours national d'agrégation, donc c'est quelque chose d'important. Alors, cette tradition présente ce type de personnage et le Melhoun le reprend à sa manière. La générosité est énoncée par opposition à l'avarice. Alors si l'avarice est une rétention, donc l'autre c'est différent, c'est l'excès. Mais également par référence à la religion. Le voisin affamé est un habitué des festins où qu'il soit. Moulou Abzradi, le texte dit Moulou Abzradi. D'accord ? Mais le poète le détermine par l'expression Moulou Abzradi, littéralement, un épris des festins, un spécialiste des festins, et par conséquent un gourmand spécialiste et connaisseur. Donc regardez que le sens, chaque fois qu'on change de traduction, il y a des sens qui apparaissent. Donc non seulement spécialiste. Épris de festin, mais spécialiste de festin. Donc, gourmand, spécialiste et connaisseur. L'inventaire des mets, donc il va, dans le premier texte, il va y avoir un inventaire de plats qui vont se succéder.
L'inventaire des mets démontrera cette connaissance et une compétence culinaire dans la mesure où il circonscrit quasiment le champ gastronomique de la culture marocaine. Dans le deuxième point, Festin Afes, de Mohamed El-Hadri, c'est le récit d'une aventure plaisante du poète qui se trouve impliqué dans un festin. C'est-à-dire, c'était pas son intention de manger. En effet, sa situation de poète motive la mise en récit, dans la mesure où il est abordé par un inconnu, dont l'allure est respectable, voire riche, pour l'inviter à se joindre au festin organisé. Ainsi, à la demande des invités, il se trouve contraint, par l'invocation de sa prouesse poétique, de composer un poème sur le festin possible, comme les possibles narratifs. Umberto Eco. Le festin possible et imaginaire. C'est d'abord un exercice de style, donc ce n'est pas le premier cas. Le premier cas, c'est le besoin de manger, donc la gourmandise. C'est un exercice de style où la virilité esthétique, le poète doit démontrer que c'est un grand poète. De poète est en jeu, et ensuite un agrément gastronomique très digne. Dans les deux poèmes, l'exagération de la culture procède de la valorisation sémantique et symbolique, dans le but de mettre sous les yeux, là, ici dans les deux textes, dans les deux poèmes, on est présent de ce qu'on appelle deux figures de style, qui sont en même temps des figures de rhétorique, qu'on appelle, en fait il y en a deux, l'hypotypose. L'hypotypose est une figure de style qui consiste à décrire quelque chose ou bien une scène de façon à créer l'effet de la voir se dérouler sous les yeux. Ici, on reprend une des définitions d'Aristote dans la poésie. Ça d'un côté. Deuxièmement, ça reprend aussi une autre figure rhétorique beaucoup plus large, ma construction, qu'on appelle l'amplification. Et l'amplification. Donc, dans le but de mettre sous les yeux et de concrétiser le sens de la valeur culturelle qui la supporte. D'accord ? Dans cette optique, il ne peut y avoir de générosité sans excès ou exagération. Parce qu'en plus du don, le fait d'offrir le repas, il y a le plus qui gratifie, ce qu'on ajoute en plus, qui doit excéder la première satisfaction, combler un manque, pour flatter une satisfaction au second degré, l'estime, la considération. Et donc, dès le départ, nous sommes en présence de ce qu'on appelle le plaisant et le plaisir. Donc, première chose qu'il faudra retenir, c'est que c'est une tradition littéraire, je ne parle pas de migraine, mais je parle de la représentation du culinaire. C'est une tradition, sur le plan méthodologique, tradition littéraire, déterminée par l'exagération. On ne peut pas parler du culinaire dans la tradition orale sans exagération. On ne peut pas, vous n'avez qu'à prendre les mille et une nuits, qui est en fait une translittération de sans parler, comment dire, sans trouver une exagération au niveau des plats. Les plats de Harun Rachid, quand il sort la nuit avec son bourreau, etc., où il y a les soirées organisées, il y a un excès. Quand un personnage, un aventurier parle, il parle toujours en excès. Dans les romans du 19e siècle, dans le Comte de Monte Cristo, bien dans les Trois Mousquetaires, on présente des plats avec excès. Même dans les films, quand on parle du siècle dernier, il est question aussi des excès, de représentation exagérée, n'est-ce pas ? Dans les films de Moyen-Âge, aussi les festins sont toujours en termes d'excès. D'accord ? Donc, tradition littéraire déterminée par l'exagération quantitative, mais aussi qualitative. Le rare, chercher le rare. Dans l'Occident, on parlera, ou bien ce qui est étrange. J'en parlerai tout à l'heure si j'ai le temps, de ces aspects-là. Par exemple, le fait de parler de l'Kanfoot. Ou bien de parler, de ramener, par exemple, un mets hors saison. Bon, aujourd'hui, nous avons les moyens de réfrigération et tout possible, mais avant, par exemple, chercher un poisson introuvable
dans un lieu, alors qu'il faut le ramener sans qu'il ne soit gâté par l'effet du temps. D'accord ? C'est étrange, ou bien le rare, l'exceptionnel. Donc, l'hyperbolisation au niveau du melhoun, ou bien au niveau des séances, donc quelque chose d'important dans le festin. Le festin s'associe à l'humour, dans la mesure où l'exagération cherche en plus de la représentation magnifiée, exagérée, agrandie, n'est-ce pas, la démesure carnavalesque. Dans la Qasida Zerda, l'Iripal, il y a un peu de carnaval. Parce que si je passe en revue les plats qu'il demande, c'est impossible à concevoir, parce que ça commence par le c'est extraordinaire, hein. Alors, couscous au beurre, agneau et les légumes choisis, couscous après sucre à la carré, pigeonneau enfoui, hein, etc. Puis vermicelle, le riz au lait, les pâtes en soupe, le tagine et plat, les pastillas, hancha, les crêpes, brir, je veux dire, shbakia, mkharka, mkrot, rzat qadi, corne de gazelle, le cake, parce que c'est un, etc. Et donc, kebab, mardon, l'inventaire, c'est 2-3 pages, hein. Plus de 3 pages. Et c'est seulement l'inventaire. Hein. Et donc, c'est impossible. Donc, ils sont présents ce qu'on appelle le carnavalesque en littérature, n'est-ce pas ? La démesure carnavalesque qui crée le plaisant avec le plaisir de d'aimer évoquer. Le goût, parce que le plat parle non seulement parce qu'il est, il est évoqué, et non pas parce que c'est aussi une recette et une préparation. Quand je dis Khanfout, c'est une préparation particulière. Les gens savent pourquoi ils parlent de Khanfout. Quand on parle de Tangia, c'est une représentation dans l'imaginaire, et donc c'est toute une modalité de consommation. On ne mange pas Tangia n'importe comment et n'importe quel moment. Et la même chose pour le couscous, la même chose pour le mishoui, la même chose pour certains plats. Donc il y a tout un rituel. Et donc, il y a les moyens, les temps, les modes de préparation, mais en tant que représentation sociale, comme j'ai dit tout à l'heure, symbolique. Et dans ces, on va voir tout à l'heure, dans ce carnavalesque, cette démesure carnavalesque, il y a les plats qui relèvent de l'ordinaire, du quotidien, comme la bissara, comme la des, comme des choses comme ça, ici, alors qu'on imagine mal aujourd'hui d'inviter des gens pour leur présenter de la bissara. Pourtant, ici, dans la Qasida, il est considéré comme un plat comme un autre, au même titre que le kebab, ou bien au même temps que le brosilla, ou des choses comme ça. D'accord ? Et également, les plats les plus raffinés. Les plats les plus raffinés, donc difficiles à réaliser, mais aussi difficiles, donc les moyens pour le faire, ça coûte très très cher. Donc, différents classes sociales associées dans un festin. En plus de ce qui est étrange, l'exceptionnel, ça c'est une autre histoire, c'est, on va dire, la dimension littéraire qui intervient, la composition. Le goût, et on ne peut plus diversifier, et rechercher dans ses nuances libidineuses, parce que ici la recherche, les plats suggèrent le goût. On passe du sucré au salé, de l'aigre doux, au piquant, etc. Et donc, il y a le choix des mots, etc. Et l'inventaire est accompagné de certains adjectifs, de certaines choses, de certaines expressions, qui montrent qu'il y a une forme d'érotisme de la délectation. Donc c'est pour ça que j'ai dit nuances libidineuses qui deviennent quelquefois le vecteur du rire, le plaisir de plaisanter, voire d'étendre à l'extrême les limites de la dégustation vers l'avalage. Parce que tout ce qui a été dit, quand on dit 100 moutons, c'est plutôt 50 poulets, c'est vraiment Gargantua qui est mis en valeur. C'est l'ogre, donc l'imaginaire de l'ogre qui s'installe. Alors, c'est quelqu'un qui est vraiment frustré sur le plan de la nourriture. D'accord ? D'où le schéma de l'avalage.
par une sorte de déploiement de l'ivresse, c'est une forme d'ivresse gastronomique, une cuisine bachique en quelque sorte. Bon, nous n'avons pas le dieu Bacchus, donc le dionysiaque, mais dès le moment où il y a carnaval, on tombe dans le bachique, c'est automatique. L'humour est ce qui transforme l'acte de l'avalage en gourmandise et, si l'on veut, en dégustation excessive. Dans le mot ripaille, zata, il y a l'idée du festin et de la profusion. Ça rappelle aussi une tradition littéraire, une tradition grecque, mais aussi littéraire, les agapes. Ce n'est pas manger à satiété, mais manger exceptionnellement, manger en société. Les ripailles, c'est manger en société. Ce n'est pas manger à satiété pour assouvir un besoin, mais c'est surtout manger démesurément en public. À satiété, mais manger exceptionnellement des plats en quantité et de qualité dans une ambiance décontractée et hors norme. C'est le cas de Zada. C'est le cas de Zada. Cette prédisposition justifie la. C'est pour ça que dans Zada Fès, on demande au poète de parler de ses plats. C'est pour retrouver cette atmosphère décontractée. Cette prédisposition justifie la rhétorique qui accompagne la circonstance par la configuration d'une table où s'accorde le discordant, le primaire, ce qui est rôti, mchoui, c'est pas rôti au sens actuel du terme, mais rôti, mchoui sur le feu, hein, de bois, le traditionnel, le socialement ordinaire avec le socialement raffiné ou supérieur, hors de portée, le salé, le sucré, l'aigre doux, le solide et le liquide. Il y a même le bouillant, paraît-il. La générosité invoquée, c'est à l'origine, il est mandaté, il est justifié par le manque qui attise l'appétit, traduit par l'exubérance et la représentation démesurée. Au niveau de la tradition orale, il y a des formes savantes. Alors, tout cela dans les deux qasidas, parce que je ne pouvais pas vous les lire parce que ça va demander beaucoup de temps. Dans l'usage de. Alors, tout cela est modalisé par un lexique qui passe de forme populaire, donc langage ordinaire, que tout le monde comprend, à des mots et à des structures savantes au niveau de l'oral. Je ne sais pas si je peux vous donner un exemple de suite, rapidement. Hein, quand, par exemple. Nhaït l'ra, matalan. Nhaït l'ra, ou bien par exemple, Slaïd Moulati. Slaïd Moulati, c'est populaire. Par exemple, alors, des expressions qui signifient Nasdok. Alors, Nasdok, comment on va traduire ça? Comment on dit Nasdok? Nasdok, c'est en fait. Les personnes distinguées. Mais en même temps, Nasdok, ça peut signifier aussi les poètes. Alors, les poètes aussi, on peut les définir dans le texte, quelquefois, il est défini comme Sahb Sijal. Sijal, on voit celui de la controverse. Mais dans leur contexte, il veut dire poète, en dehors du texte. Et donc, c'est des expressions qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Nasdok, plus Naslmana. Naslmana, les gens du sens. Quand on traduit littéralement, ça sent très beau, c'est de la sémiotique. Mais Nasdor veut dire les gens qui comprennent l'implicite du discours. Mais en même temps, c'est les gens raffinés. Donc pour ne pas trop déborder, nous sommes présents. Je finis. Le Melhan, donc nous avons des formes à la fois savantes, mais populaires, c'est-à-dire orales. Darija, mais Darija, comme j'ai eu l'occasion de dire à propos des couleurs, nous avons des noms de couleurs que très peu de gens connaissent. Fariti, j'ai déjà dit Fariti. Fariti, c'est turquoise. Les gens disent turquoise aujourd'hui. Ils ne disent plus Fariti. D'accord? Comme on dit des Ankhmama. Ankhmama, bon, c'est une. Parce qu'il n'y a pas de couleur, en fait. Il y a une couleur, mais on n'a pas le nom. Alors, Khamri. C'est une forme de brun ou de entre le noir et le noir qui ressemble au vin. Mais qui connaît la couleur du vin? Khamri. D'accord, ce n'est pas un brun, ce n'est pas un noir. D'accord, c'est une couleur particulière. Kalfkosa,
disent comme ça. Donc ce sont des formes savantes, en fait, de l'oral, du dialectal. Des formes savantes, en fait. Très peu de gens connaissent le dita. Qui comprend le mot violon? Bon, en français, on dit violine. Al-Khmama, Zrirq, Zrirq. C'est violine en français. Mais montrez-moi la couleur violine. Personne ne sait, ne saura. Zrirq. Ce n'est pas Zrirq. C'est entre le violet et le bleu. Violine. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans l'oral, dans le dialectal, et il y a des couleurs, il y a des noms et des mots qui relèvent, qui sont plus ou moins savants par rapport au usage ordinaire. Le Melchan développe un registre à plus d'un niveau, lexical, métaphorique et intertextuel, par la convocation quelquefois de parties de la mémoire de la rhétorique ancienne. Alors, quelquefois, évidemment, on fait référence à d'autres textes, mais bon, notamment quand on fait référence à Anta, quand on fait référence à d'autres textes, ce n'est pas le... Le singulier au niveau du lexique surdétermine automatiquement l'énonciation en paroles sérieuses. Donc quand on utilise sahab sijal, d'office, le discours devient sérieux. Nas, donc, ça devient sérieux. Donc l'énonciation en paroles sérieuses est importante, même dans le cadre du plaisant ou de l'humour, même si mon discours est un discours qui fait rire. Est-ce que vous comprenez? Ça accrédite. Alors, surtout quand on sait que souvent ces poètes sont des hajj, et comme autrefois, tous les traités, la plus majorité des traités d'érotologie sont écrits par des fuqaha. C'est extraordinaire, hein, dans la tradition musulmane. À méditer. Le festin gastronomie, donc, le festin est une démonstration rhétorique, en fait, une prestation oratoire qui révèle la compétence du poète à assembler, selon un ordre précis, des mets, définis simultanément, en quantité et en qualité. Cet assemblage parvient à associer ce qui est recherché et fin avec, comme j'ai eu l'occasion de dire. Donc, à quelle fin, donc? Pourquoi associer tout cela? Le festin est une prestation de plaisir, c'est-à-dire la symbolisation de ce qui est matériel et vil chez l'homme, à savoir l'avalage. Pour pouvoir rire, parce qu'il n'y avait pas autre chose que la parole est un divertissement. La parole est un divertissement, mais aussi c'est une représentation symbolique des désirs les plus reculés de l'homme. Je vous remercie. Donc, merci pour cette communication, pour cette lecture pluridisciplinaire, parce qu'on cède à des attaques, parce qu'on y trouve un sens aigu de la philologie. S'attarde sur les mots. Pourquoi on s'attarde sur les mots? Parce que les mots sont un concentré de la culture. Hein. Tout est dans les mots. Hein. Et si on veut étudier le culinaire, voir les valeurs qui sont liées au culinaire, ben, il faut rester dans les mots. Et là, à propos des valeurs, merci aussi, parce qu'il y a de la philologie pointue, mais il y a aussi l'économie politique, hein, du goût. Vous avez révélé le Nasdok. Donc le Nasdok, il y a une désignation d'une partie, d'une élite, mais il y a en même temps l'exclusion d'une autre, hein, qui n'en est pas, qui n'en fait pas partie. Donc, je crois qu'il y aura des questions. Moi, j'ai des questions. Donc, on peut ouvrir une liste si des gens ont des questions. On vous écoute. C'est Mohamed. Oui. Je voulais simplement dire merci beaucoup, Khalid. C'est très bien, passionnant. Tu as parlé de la générosité et ça me fait penser à une des valeurs fondamentales de la noblesse, qui est la magnificence, hein, le goût des fêtes et de la magnificence. Tu as cité Rabelais, Cipéran. Le problème en Occident, c'est que la magnificence se limitait dans le circuit étroit de la noblesse. Hein. Donc le reste du peuple, les bourgeois, sont exclus. Et la magnificence, c'est aussi, parce que dans la religion chrétienne, que voilà, le gourmandise, c'est un péché. Voilà. Et curieusement, le festin, les ripailles dont parlait Rabelais, justement, se faisait pendant le carnaval.
Et le carnaval, c'est une parenthèse, hein, je pense que c'est le travail de Barthé, la culture populaire de François Rabier, la culture populaire au Moyen-Âge, comment le carnaval était une parenthèse où l'Église consentait à laisser le peuple se laisser aller à ses instincts, etc. Alors que chez nous, on n'a pas cet interdit. Hein. Je ne crois pas que Kolo, Shraboum, non, je crois que c'est même dans le texte religieux, il y a une invitation à se satisfaire. Il n'y a pas d'interdit. Je voulais simplement faire cette remarque. Et quant au professeur, merci beaucoup, je voulais vous poser une question à propos de cette subdivision qu'il y a, vous avez bien répondu, merci beaucoup. Tu as raison de parler justement en fait, de la magnificence des nobles. Le problème, c'est ça qui est extraordinaire, en dehors du poète dans Zadavifas, l'autre n'est pas quelqu'un de riche, c'est un pauvre. C'est pour ça qu'il aborde son voisin qui est riche. Et pourtant, il utilise un discours très recherché, c'est-à-dire oralement très recherché. Et également parce qu'il montre quand même une magnificence justement de la représentation, même s'il est pauvre. Ça, c'est quelque chose d'important. Et effectivement, c'est lié. Entièrement d'accord concernant le carnaval, le Mardi Gras, etc. Donc, etc. Mais en islam, bon, c'est vrai qu'au niveau du texte coranique, il n'y a pas d'interdiction au niveau de l'islam gourmandise, ce n'est pas interdit. Mais dans le hadith, oui, il est interdit. Implicitement, il est réprimé. D'accord. Son mot à ses rangs, etc. Donc, juste pour comprendre. Oui. Donc, c'est vrai, pour les étudiants, le grand monde, c'est un péché capital. C'est-à-dire le kabaïr. Kabaïr. Quand on parle de l'islam, on a un peu de kabir. Quand on a un kabir, on a un peu de kabir. C'est le plaisir. Parce que la religion musulmane, comme toute religion, elle a vu le jour dans le désert. Absolument. Donc ce serait vraiment contradictoire, voire suicidaire, que de condamner la repentance. Tout à fait. ميخص نفس السؤال حتى فوراق الشمالية بالنسبة خاصة في المغرب ما قبل الحماية كانت الطبقة الارستقراطية تسكن بقرب الطبقات الضعيفة يعني في المجال لم يكن هناك ملحوظ الفوارق الطبيعية وبالتالي أن حتى هذا ما يعكس أن مسألة الزردة كما سبق أن أشرت أن لا يمكن أن نأخذ بالفوارق الأكل الطبخ كمعيار الفوارق الاجتماعية بالتالي أن يكون باب المجازفة حين ذكرت رابلي مثلا حين ترى الكنيسة كان من ضمن الملاحظات أن ولكن بالنسبة للإسلام هناك بالنسبة للمغرب هناك خصوصيات كما تعلمون أن هناك الفكر التصوفي الذي حاول أن يمحو هذه الفوارق الاجتماعية وبالتالي أن حتى هذا ما يظهر على مستوى المجال وما ينعكس على مستوى الوجبات والأكل وإشارة ونختم هو أن في المغرب لم يكن في مسألة تقديم الطعام خاصة بالنسبة للضيوف كان يكون بمستوى الطعام الذي يقدم في المنازل الطبقات الارستقراطية بالتالي أنه يكون شكرا لكم هناك questions allez-y شكرا أساتذة على المائدة المستديرة العقل التي استفدنا منها كثيرا بالموضوع بالنسبة إليه هو فيما يخص بالبلوغرافية الطبخ والتغذية بالمناسبة باحث في التغذية بالغرب الإسلامي خلال العصر الوسط وطرحة هناك إشكالية حقيقية حول المصدرية بحيث أن أثناء البحث في الموضوع عن التغذية لم أجد إلا كتابين فقط هو كتاب لويث ميراندا حول فضلاء الخوان وكتاب مجهول فيما يخص الطبيخ في عهد الموحدين باقي المصادر كلها مصادر تاريخية عامة كتب الطبخ كتب الفلاحة كتب الطب كتب الأغذية عامة فقط وكان اضطرار اللجوء إلى كتب الرحلات كتب الرحلات بالخصوص التي تصف حالة الشعوب هي المصدر الأساس لتشخيص واقع الطبخ أو التغذية عموما بالمنطقة عامة ولهذا هناك إشكالية حقيقية فيما يخص مصدرية تاريخ الطبخ قديما
حاليا يمكن تكون عندنا في التاريخ المعاصر مصادر متعددة عن طريق الإعلام وغيرها الوسائل الحديثة، ولكن في التاريخ ينطلق منها هذه المصادر لدراسة حركية التاريخ كان من الصعب، كان من الصعب حقيقة، لأن كانت لدي إشكاليتين. الإشكالية الأولى هي حركية التاريخ، بناء الدول وأفول الدول غدا، والبعد الاجتماعي السوسيولوجي بالنسبة للمجتمع. الشق الأول كان متوفر، الشق الثاني كان صعب بالنسبة إلينا، البحث عن سوسيولوجية العوائد والقيم والأحكام وغير ذلك في المجتمع، فكان الأمر بالنسبة لي صعب. هناك إشكالية حقيقية فيما يخص يمكننا أن نستفيد، هل يمكن للطبخ أن يعكس فعلا وضعية المجتمع، طبقية المجتمع؟ هناك رصد أولي، طبقات أغنياء، طبقات فقراء، طبقة متوسطة، انطلاقا من الموائد، انطلاقا من الموائد. هناك إشكالية حول المدى العمري لهذه الطبقة. إذن هناك إشكاليات حقيقية فيما يخص الطبخ، هل يمكننا أن نعتبر الموائد مصدر للتأريخ؟ هل يمكننا أن نعتبر الموائد أو المطبخ عموما أيضا فيما يخص الوصف نتاع الموائد الملوكية؟ الموائد الملوكية موائد كما أشار الأستاذة استعراضية، خطاب سياسي. الموائد المتصوفة خطاب تقديسي. هل يمكننا أن ننتقل ما بين الخطاب السياسي الموائد الاستعراضية إلى الخطاب اللي فيه كما أشار الأستاذ خاء نادر أحيانا استثنائي لنؤرخ المجتمعين سواء معاصر أو غير معاصر؟ وشكرا. شكرا الأستاذ الفاضل. في الحقيقة نتقاسم نفس الخلاصة. الخلاصة كون أننا كان هناك اهتمام بالتاريخ السياسي، وهذا الاهتمام هو الذي ذهب فرصة على الباحث أن ينظر في الجوانب الاجتماعية. وحاليا هناك بدأنا نلاحظ أن هناك اهتمام بالمهمشين، الدراسة ديال الأستاذ قادر بوشيش، هناك اهتمام، ولا زال إلى يومنا الراهن هناك طموح، مشروع بحث تاريخ ذهنيات الإنسان المغربي وشخصية تهتم بهذا الموضوع. ولنأتي إلى هل يمكن أن ننطلق من المائدة لنؤرخ للطبخ، لنجيب أن من حسنات مدرسة الحوليات، واسمحوا لي إن تكلمت عن مدرسة الحوليات لأنني ليس حبا أو أنني مغرب بالمدرسة، ولكن تمكننا من أدوات البحث والتقصي، وانطلاقا من دراسة الحوليات يمكن أن نعتمد أي وسيلة بإمكانها أن تمكننا من تاريخ ظاهرة من الظواهر الاجتماعية. لنأتي إلى نقطة مهمة، أننا لا أتفق بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك إسقاط للتوزيع الاجتماعي الأوروبي على المغرب، ولا المغرب على أوروبا. المغرب له خصوصيات، يجب أن نستحضر في دراساتنا أن هناك العامل المعتقد حاضر بقوة، وأن لم تكن هناك قطيعة بين المعتقد وما بين علمي في المغرب، وبالتالي نجد كل صعوبة في كون أن يكون هناك إسقاط لدراسات. على سبيل المثال لا الحصر، مثلا لا يمكن أن أحدد الطبقة المسحوقة التي جاء بها ماركس على مستوى الطبقة المغربية. كذلك هل يمكن أن نقول بأن البرجوازية التي لها محددات المستوى الأوروبي هي نفس البرجوازية أو الطبقة الأرستقراطية؟ بالتالي أن دائما أحبيت فكرة أن ننطلق، ولما في البداية أشرت إلى نقطة مهمة، أشكر اللجنة المنظمة التي سهرت على هذا المؤتمر، لأن ما أحوج الجامعة المغربية أن تعيد النظر في طريقتها في التعامل مع البحث العلمي، وأن تطرق أبواب بعض المواضيع التي في المغربي في حاجة ماسة إليها. وشكرا. من الصعب جدا تحديد زعما الطبقات انطلاقا من الاكل، بالاخص ابتداء من بدايه الثمانينات لحد الان. علاش؟ لانه وقع واحد التحول في المغرب، ابتداء من زخرفه البيوت، كنناقشوا داك الشيء، رجعت تقريبا داك الشيء رجع نقول ديمقراطي، رجع الناس ديمقراتيزاسيون، رجع كل شيء. وخا في الاحياء الشعبيه تيديروا في الحفلات تيديروا تقريبا نفس النظام،
ودابا اكثر واكثر خاصه انه الطبخ رجع تقريبا مش حل اللي كان بحال دابا خاص بفاس او خاص بمكناس رجع دابا عام في المغرب وزيد عليها تنظيم لي فيستا والحفلات مع التريتور كلشي يدير بحال بحال حتى داكشي جديد بحال دابا شي السوشي وهادشي المسائل الجديد الاسيوي حتى هو رجع طاقته في الاحياء لا في الاحياء الشعبيه دونك تقريبا رجعت واحد شنو تيوقع الفرق الفرق بوتيتر في 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 لي بلا واش كاليتي 100% ولا لا صعيب هذا تخيل وليدي تيكون بحال بحال في الشكل بحال بحال وعلى مستوى غير اللافته لاحظتوا كاين واحد شويه التناقض بين تراديسيون هذا طروز الغرزه يمكن سي سا طروز الغرزه مع لا ديسبوزيسيون الطباس الكوه الطبشيل ديالو الطبشيل ديالو هذا الشيء غربي ولكن الطبله دائريه الوغ كو في لا ريبريزونتاسيون ونقص الزليج بالديفو اغيغ فون الطبله الغربيه ضروره تكون ريكتونغولا ولا وتكون في الراس ضد الطبله الاب الكبير في الاصل في الاصل ولي ما بقاش هادشي طبعا ولي مازال كوميم ريكتونغولا ولا كاري الوغ حنا مازال عندنا ما عندناش الشاف في الطبله ما عندناش الشاف في الطبله كيما كان الحال واخا كاينه طبله مستطيله ما بقاش هاد المساله وبالتالي صعبونا بعد كده. merci. on va donner la parole au professeur. et puis après vous. je crois que je vais limiter à quatre questions. déjà midi. bon, vous avez ça. votre nom s'il vous plaît. Ismaël. ok. très bien. oui. Je vous remercie. Je me félicite de m'être déplacé pour contribuer aux travaux de ce congrès. Et rapidement, m'adressons bien sûr à Monsieur Haji. Et je vais essayer de tirer avantage de votre présence, de peur que vous ne soyez pas disponible dans l'après-midi. Alors, concernant la CEDA, je vais essayer d'utiliser plutôt le terme, je vais le prononcer dans, comme le disent bien sûr sur Greha, Jia, la CEDA de Zerda, à chaque fois on parle de. À chaque fois on essaie un petit peu de parler au confluent de la nourriture et de la littérature, dans la tradition orale, en l'occurrence Milhon, on parle de Zerda. Zerda de Mohamed Ben Ali, Msfiwid de Menadi. D'accord. Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, le Hadri, il est beaucoup plus contemporain. D'accord. Et j'en profite aussi, puisque tout à l'heure, il y avait une posté, puisqu'on est toujours autour d'une table, ou plutôt à table. Tout à l'heure, on était en train de faire connaissance, vous et moi, et on a essayé de parler de. Est-ce qu'il y aurait d'autres textes qu'on pourrait, par exemple, dépoussiérer ? Et ça, c'est tout un projet, on pourrait dire, je ne vais pas entrer dans le détail, pour vous dire que est-ce que Mohamed Ben Ali Msfiwi, pour moi, ce n'est pas qu'un poète. Dans les pratiques culinaires, on parle d'un master chef. Moi, je dis que c'est un master chef dans le sens où il a essayé de nous faire approcher à un art de vivre, à l'art de la table marocain. Plus tard, peut-être, il y a d'autres personnes, il y a d'autres poètes qui se sont inspirés un petit peu de ce qu'il a fait. Alors, à ce propos, moi, je me suis toujours posé une petite question. À quelle approche, on va dire, se prête le texte de Zerda ? Et je le réitère encore une fois, je me félicite de vous écouter, vous prononcer, M. Haji, dans une démarche plutôt interdisciplinaire. Ça, c'est très important, notamment dans des recherches qui ont trait à tout ce qui est sémiotique. Interdisciplinaire et plutôt transdisciplinaire. Pourquoi ? Parce que malheureusement, quand on traite du Melhoun, plus particulièrement, que l'on dit Diwan ou le Maghari Babimtiyes, déjà le Melhoun, il faut le rappeler, notamment à nos étudiants, c'est que Melhoun, comme l'on dit, Melhoun Frashtouf Klemou. C'est pourquoi est-ce que parfois on dit incroyable mais vrai ce festin ou bien ce ripaïla. Dire que, en fin de compte, il n'en demeure pas moins une poésie qui serait réduite pour quelques-uns à un exercice de style. Loin de là. Nous sommes dans un Maroc, notre pays, les Jachouka, il faut le dire. On a une double façade maritime. Dans le sens où c'est un,
c'est un carrefour de civilisation. Il y a ce qui nous vient, bien sûr, de, on va dire, sud-nord ou bien nord-sud. D'accord ? Il y a beaucoup d'influence, on pourrait dire, arabique. Il y a toute une cuisine du terroir. Et là, je cite, bien sûr, tout ce qui est amazigh, etc. Et ça, juste pour vous dire une petite chose, que c'est grâce à ce monsieur qu'on a découvert, ou du moins dans un menu majuscule, d'accord ? Qui est haut en couleur, en saveur, en senteur, tout ce qu'on en veut. C'est-à-dire, à travers ce texte-là, qui ne peut être réduit à ce qui est, on va dire, culinaire. C'est-à-dire, on ne lit pas le poème pour conjuguer le verbe manger. C'est aussi pour s'informer d'un pays à travers une cartographie, un cortège, on pourrait dire, par exemple, floristique, faunistique. Pourquoi ? Parce qu'on s'est posé une petite question à propos, par exemple, des poissons, ces ressources halieutiques et fluviales. Par exemple, le fait d'écouter Hadri, par exemple, dans Zerdafi Fes, Makesh al-Bahar Fes. Mais non, il y a des Wed, Wedsbo, de la région d'où je viens. Voilà, c'est ça ce qui est important. Pourquoi est-ce que je dis ceci ? Autre chose qui est très importante, ce n'est pas un hasard aussi chez un Msiwi qui a inauguré son poème Zerda, le plat de couscous. Jibli Tajin Ksukso. Alors là, il y en a deux, Tajin. Rapidement. Une toute petite chose, c'est que c'est un texte qui mérite plus d'un examen, il est vrai, mais juste pour dire que il y a d'autres textes que nous sommes en train de dépoussiérer pour dire lui-même est-ce qu'il s'est inspiré d'autres. Là, on va essayer de parler de l'avant-texte, mais quand même, c'est un texte qui resterait dans la littérature de Mihol, un texte plutôt fondateur. Je vous remercie. Vous voulez répondre ou là on pose toutes les questions ? Toutes les questions après en matériel. Donc la parole à Mustafa, oui, allez-y. Monsieur Mélan Tajib, Choukra, Moussour, le Dakati, Al-Afabel, et Choukra Kadali, Al-Palam, Al-Palibat, Al-Fadol, Sabahoukoum, Bitahmi, Insaniya, Sabahoukoum, Bitahrik, Al-Tab, Sabahoukoum, Binadwati, Bilzawati, Al-Faransiya, Sabahoukoum, Bisabahi, Al-Nadjala, Al-Fi, Wajbat, Al-Fotour, Ibak, Wa'asayna, Fin, Nabisha, Tariq, Al-Tab, بواقع فيه توابل وجبة أكلت من الأكلات التي تروج وسائل الإعلام أغلى من وجبة أسرة بأكملها. صباحكم أيضا بالثلاثي المقدس للطلبة العز والفول والدوبي. في النقطتين، النقطة الأولى السؤال من فضلك، سؤال الطبخ، والنقطة الثانية فيما يخص اللغة، الطبخ بين الواقع والوهم. حسب ما روي لي في طور إعداد كتاب حول التاريخ الشفوي لجماعات القصور وجماعات عرب صباح الجديد بأن إدبال فرد الحماية بالضبط يعني الأسر آنذاك لم تكن تعد الطبخ لمدة 3 أو 4 شهور بل كانت تأكل أنواع من الربيع التي كان حتى الحيوان آنذاك يعني في استغناء عنها ثم كانوا يتناولون أيضا الحشف يعني بقايا الثمر عندما يذبون يعني الخطاب موجه للناس ديال الجنوب الشرقي لانهم يفهمون ما ساقول. ثم النقطه الثانيه فيما يخص الطبخ، هل يمكن للطبخ ان يعكس المدى الاقتصادي للدوله وماذا عداله الدوله؟ ثم مدى مساهمه الطبخ في بناء الثقافه في بناء ثقافه ما والتمييز بين الثقافات. اما فيما يخص اللغه فكما قال احدهم نسيت اسمه الإنسان لا يبدع خارج لغته، وكما يقول جورج هاردي حسب ما جاء عند محمد الجابري في كتابه أرواح المشكلة التعليم بالمغرب، إن القوة تصنع الإمبراطورية ولكن ليست هي التي تضمنها الاستمرار، إن الرؤوس تنحني أمام المدافع لكن تظل القلوب تغذي نار الحقد من أجل الثورة، لذا وجب إخضاع النفوس بعد أن تم إخضاع الأبدان، وهنا يقول الجابري بأن سياسة فرنسا تجاه اللغة العربية كانت واضحة لا يقسى عليها. وبوادرها بدأت تظهر وإنما تفشت في الأوساط. فمنذ أن درست بهذه الدول لم أستفد إلا مما قاله الأستاذ الدكتور سي بن عمر راشد، لأنني في صراحة لا أجيد اللغة الفرنسية وهذا مشكل خاص بي، لكن يجب رد الاعتبار للغة العربية لأنها هي اللغة الأصلية وهي لغة الضاد، وجل الطلبة هنا لا يستفيد أيضا من المداخلات التي كانت باللغة الفرنسية. خبيا سي بون وشكرا. شكرا طالب بعجاله لم اقف طويلا فقط حين ذكرت بالمثال في الصحراء
في فترة معينة قلت أنا في مستهل مداخلتي لم يكن الطبخ معيار من معايير التقسيم الاجتماعي وقلت كذلك بأن في فترات معينة يكون الإنسان المغربي يتعامل بما هو موجود وفتحت لي واحد القوس غادي نفتحه هو ان القضيه ديال التعاطي المغربي مع مع الربيع البقوله راه كل المغاربه كياكلوها والرجله كذلك كل المغاربه كياكلوها راه ظهرات هذه البقوله والرجله في واحد الفتره معينه فين ما كانش كان المغربي ما كيلقاش ما ياكل ها هي ولات وسيله من الوسائل ولا الطبق دابا حاليا اللي تقول له هذه الأولى. المسألة الثانية هي أن اللغة الفرنسية بالنسبة للطالب الباحث تاريخ المغرب المعاصر وراه دائما كنقولها لكم حتى في المحاضرات راه اللي ما داش اللغة الفرنسية ومنفتح على اللغات راه ما يمكنلوش يمشي بعيد في تاريخ المغرب المعاصر السبب بسيط أن كل الكتابات التي نازلنا نتعامل معها إلى يومنا الراهن هي كتابات أجنبية والكتابات المغربية راه من أواخر السبعينات إلى يومنا الراهن لأن كنشوفوا الكتابات المغربية على شكل أطارح اللي كتقدم لمناقشة إما دبلوم دراسة العليا أو الدكتورات لأنهيها بإجابة على السؤال أنا أؤكد أن الطبخ في المغرب ليس معيارا أساسيا للتقسيم الاجتماعي على اعتبار بأن المغرب كل مغاربة يأكلون ويشربون وما عندنا حتى شي مغربي شي نهار جاء صحيح أن كما قلتي أن وجبة الطالب هي العدس والبصارة وهذه ولكن وجبة الطالب لأن كل واحد كل مرحلة عندها خصوصية ديالها دابا حتى حنا براسنا زنا طلبة وتحنا كلينا داك الشيء جنبوا بالكم نتوما باش عاوتاني تتبع تاكلوا داك الشيء دونك ميرسي دونك احلام Alors, tout d'abord, je vous remercie tous pour cette conférence. Mais je vais poser ma question en français, puisque le sujet est en français, bien évidemment. Donc, c'est une question à vous, monsieur Bonnancé. Donc, vous avez dit que l'étude sur un produit nous permet de découvrir les pratiques d'un peuple et comment il vivait à l'époque. Donc là, j'aimerais bien savoir comment et qu'est-ce que vous voulez dire par les pratiques, bien évidemment. Aussi, je voudrais bien savoir le nom de l'américaine qui était spécialiste de pommes de table. Ah bon. Et j'ai une autre question, si ça vous dérange ou pas. Donc, on a parlé de win-win, ou bien gagnant-gagnant. Et on a parlé des multinationales. Et j'ai dit, est-ce que c'est aussi... Je voulais savoir si aussi le consommateur il est considéré comme un gagnant. Okay. Merci. Je répondrai tout de suite, je crois que c'est très, très rapidement. Alors, ce qui concerne les pratiques, c'est-à-dire trouver un aliment à une époque donnée pour pouvoir connaître les pratiques alimentaires de cette même époque. En fait, si vous voulez bien comprendre, c'est-à-dire, moi, je veux connaître cette chose-là qui est en face de moi, mais je ne peux pas y accéder. Alors, je vais choisir un autre sujet qui va me permettre d'y accéder. Donc, je vous donne un exemple. Deux exemples, même. Lorsqu'on a découvert le café, comme vous le savez, a été découvert au Yémen. Il a été découvert par hasard. Un berger. Il avait des moutons. Il les envoyait paître, hein, manger de l'herbe à un endroit. D'accord ? Et il revient. Les moutons ne dorment pas. Les câbles, au moins, ils... Alors, il ne comprenait pas pourquoi les moutons ne dormaient pas.
passe, et il a mis de la paille, et il a balayé, bon, là, ça marche pas. Il y avait un prêtre à côté de lui, il a dit, écoutez, je suis un peu, très dérangé, mes moutons ne dorment pas, etc. Alors le prêtre a réfléchi, il a dit, montrez-moi l'endroit où vous emmenez-vous. Et bien évidemment, quand vous pouvez le deviner, en lui montrant l'endroit, ils ont découvert par hasard l'arbre du café. Bien. Alors, lorsqu'on a introduit le café au Yémen, qu'est-ce qui se passait? Au début, le café, on le buvait parce que, au début, c'était les curés, les gens de l'église qui buvaient le café pour pouvoir veiller la nuit et prier. Alors, les musulmans se sont dit, ben, ce serait très bien, nous aussi, de boire du café dans la mosquée. Et bien évidemment, comme vous pouvez le... Bon, après, je peux... j'ai pas le temps de vous raconter ça. Mais si vous voulez avoir une description détaillée de la réponse détaillée, il y a un article que j'ai écrit il y a une vingtaine d'années sur le café comme médiateur culturel ou quelque chose comme ça. Et il décrit avec détail cet aspect-là. Donc, c'est pour faire vite. Alors, la question que vous posez, elle est très, très, très rusée. Enfin, je crois que ce n'est pas une question. Le consommateur, s'il ne fait pas attention, c'est une victime. Et il est toujours une victime potentielle. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dépense l'argent. Et pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je parlais du packaging, on peut mettre n'importe quoi à l'intérieur. Le plus important, c'est le paquet. Et le pauvre consommateur, enfin le pauvre consommateur, nous tous d'ailleurs, on regarde d'abord le paquet, on regarde parce que tout simplement, on est très 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 dirigé, très influencé par les apparences. Et je m'arrête là, et je donne la parole à Yassine. أقول اليوم إن الثقافة لشيء خطير. ولفهم الميكانيزمات الذهنية المغربية يستدعي ذلك فهم جذور مستوياته الدلالية والخطابية الخطابية وحتى الإنتاجية. فالطبخ يمثل نمطا من الحياة، وتنوع الطبخ دليل على التنوع الإبداعي الجمالي والحس الذوقي له، وكذلك على التماهي بين الشخصية المغربي وما أنتجه. فلدراسة الاستعمار يستدعي ذلك فهم الاستعمار الثقافي ومحاولة تفكيك جلد تمصلات المجتمع باحتكاكه بالغربي الذي يحاول اشتتات الهوية. أتكلم عن الحداثة والمقاومة. فهل تم حقا فهم الأبعاد السيميائية للطبخ المغربي في علاقته بالآخر؟ أتكلم عن المستعمر. وهل يمكن فهم الثقافة من جلد أبعادها وتعريفها؟ فهل الثقافة هي منتج أم أنها حتى ما لم ينتج؟ وهل يستطيع الباحث أن يعطي تعريفا دقيقا للثقافة؟ وإلى أي حد يمكن فهم لغة الطبخ؟ وكيف تعامل المغربي مع مواسم الندرة والرخاء في التاريخ؟ وكذلك كما العلم أن لدراسة المجتمع يجب دراسة الطبخ وتاريخ النفايات وغيرها من المواضيع الإيوائية البسيطة التي تغري ببساطتها، إلا أنها تحمل بركانا من المعارف التي قد تفيد بفهم الأبعاد والمجاريات السينمائية لأي مجتمع كان. فهل استطاع المؤرخ والفيلسوف واللغوي أن يضع عينا على المجهر وعينا أخرى على الميكروسكوب للوصول إلى الحقيقة ولو نسبيا؟ أم هناك انشقاق معرفي سيظل صعب الرصق؟ فهل جمالية الطبخ المغربي تحمل الأناقة القاتلة للتمييز عن أوضاع مزرية وخطابات مخفية تحتاج إعادة قراءتها من جديد واستنطاقها بمنهاج وبالتلاوج بين جميع العلوم؟ وهل هناك صراع بطابع آخر مخفي وهو صراع الأطباق؟ نتكلم عن صراع الحضارات وصراع اللغة والصراع بين المفردات والكلمات، فهو صراع مخفي
كشعار ملمز للاستعمار الاوروبي الجديد او استعمار ايديولوجي. وشكرا. دونك هذه هي ورقه الطريق المجموعه ديال 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 هذا الموضوع يحتاج الى طرقات. شكرا وخون نوت. دونك شكرا استاذ ياسين. فقط في الحقيقه السي ياسين كيهضر لقيت بان واحد الجرثومه عندنا في التاريخ نقلات الطلبه ديالنا هي سميتها جرثومه السياسه. دائما نسيس حتى في طرح ديال الاسئله ديالنا نسيس. بعباره اوضح ان وهذا لا ينقص من السؤال في شيء، بالعكس ان السؤال كان سؤال وجيه، ولكن وانا استمع للسؤال وجدت نفسي امام المنهج السياسي الذي يخدمون العلم العلوم الانسانيه. للاجابه، اولا فيما يخص العلوم التي تعنى باي ظاهره تاريخيه كيفما كان نوعها، فجميع العلوم هي منسجمه فيما بعضها البعض وتندرج في اطار العلوم الانسانيه. والعلوم الانسانيه سواء من جانب السيميائيين او اللغويين او التاريخ او علم الاجتماع او الانثروبولوجيا كلها لها اهداف، الهدف واحد هو محاوله دراسه اي ظاهره كيفما كان نوعها، وليس فقط من اجل ابراز الخصوصيات بل من اجل ربطها بالهويه اولا واستشراف المستقبل من تلك الظاهره. فالطبخ كذلك في المغرب حين نقوم بدراسه الطبخ من اجل فقط فهم خصوصيات الطبخ المغربي، ولكن هذا لا يعني ان نتكلم عن الاستقلال او الاستعمار، بحيث ان اليوم نعيش العولمه، وحين نقول العولمه تندثر بالذات والمطلق اي فكره صراع استعمار او مستعمر، بحيث انه نتكلم عن 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 عن, عن فتح، نتكلم عن كيف هل تدرون كيف صنف المغرب في المرتبة الثانية من حيث الطبخ؟ صنف لأن هناك عولمة، هناك تذوق للطبخ المغربي في العالم، وبالتالي أن هذا التصنيف جاء ليس هناك صراع بين الخصوص والمكان، قد يكون الصراع صحيح على المستوى الثقافي في محاولة إثبات الهوية المغربية، ولكن فيما يخص المجموعة من الأدوات التي يمكن أن تكون سفيرا للحضارة المغربية على رأسها الطبخ مثلا، على رأسها الموروث، كلها يمكن أن ننقحها من السياسة حتى تكون ذات فائدة. شكرا. Bien, donc moi je vais terminer, j'aurai trois questions très rapides. Donc première question à Kamel, donc, c'est toujours très intéressant d'écouter hein, l'approche sémiotique, ou comment la sémiotique considère le culinaire, surtout l'approche de Jean-Franco Malandé, sur un point précis qui concerne le régime du goût. Je voudrais savoir s'il arrivait à Jean-Franco Malandé quand il parlait du régime du goût, parce que je connais ce concept, hein, nous avons beaucoup discuté, mais je n'ai pas eu l'occasion de lui poser. Quand il parlait du régime du goût, est-ce qu'il évoquait des gens comme Foucault, par exemple? Parce que le régime du goût, c'est lié au discours du goût, au discours du pouvoir. Il y a ceux qui ont du goût et les autres qui n'en ont pas. Donc, est-ce qu'il est arrivé de l'évoquer? C'est très simple comme question. Et je crois que c'est simple comme réponse. Soit il l'évoque, soit il l'évoque. Non, il ne l'évoque pas. Donc il parle d'ego comme étant, comme je viens de le dire, comme étant un élément qui unit et qui sépare. Donc avoir des goûts, c'est-à-dire nous avons les mêmes goûts, c'est-à-dire un élément qui nous unit. Mais aussi, nous n'avons pas les mêmes goûts, c'est-à-dire un élément qui nous sépare. D'accord, très bien. Merci. Donc, alors, la deuxième question, elle s'adresse à M. Jalil, donc, elle concerne Tachos Atal ou le Tir, pour d'autres, le Farnsi, à la Tabakh Mgri.
هل هناك مصادر ولا مراجع تخص هذا الموضوع هذا لأن الموضوع مهم بالنسبة صحيح كذلك بعجالة صحيح أن هناك تحول الاستعمار أحدث طفرة هناك تحول على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى العادات والتقاليد وكذلك حتى على المستوى السياسي ولكن ليس هناك كتابات كما أشار الأستاذ نجد صعوبة كبيرة في أن نقول بأن الكتاب الكلاني متخصص مثلا بحيث أن كل العلوم كل الدراسات كانت متكاملة ولكن كانت عامة اللهم إذا ما استثنينا بعض الدراسات التي اعتنت مثلا بدراسات الزوايا على سبيل المثال وتكون هناك إشارات فقط للفرق المغربي ولكن ليس هناك من الدراسات خاصة الفرنسية صحيح أنه اهتموا مثلا أن نأتي الكتاب فاس قبل الحماية روجيلو تورنو يتكلم كذلك لفريطارو فاس المجهود الإسلام يتكلمون عن العادات العائلات الفاسية الفنادق الحمامات كل شيء تم الحديث عنه فيما يخص المرجعين وحتى الطبخ يكون هناك إشارات فقط لبعض الأطباق وهذا ما جعلني أن أقول أتشبث بفكرة أن الطبخ ليس آلية من آليات القياس للتقسيم الاجتماعي في المغرب D'accord, merci. Donc, bien. Monsieur Bernos, oui. Juste une petite remarque concernant, dont monsieur a parlé tout à l'heure, concernant les sources de l'histoire, en nous basant sur les récits de voyage des étrangers au Maroc. Moi, je vois personnellement que ces récits de voyage portent un regard subjectif. Donc, un regard subjectif partant du cadre de référence de ces étrangers. Donc, le regard subjectif n'est pas. Je crois qu'on ne peut pas se baser sur ce principe pour écrire des histoires, pour parler de l'histoire de la nourriture marocaine ou bien de l'art culinaire marocain pendant une époque, alors que ceci, c'est un regard subjectif qui peut-être qui exprime l'émerveillement de cette personne devant ce que mangent les Marocains, mais donc reste toujours un regard subjectif. Donc on ne peut pas considérer ces récits de voyage comme étant des sources historiques. C'est ce que je veux dire. القول هو أن شارل دو فوكو لا ريكونيسونس دو ماروك جاب مجموعة من المناطق في المغرب وأعطى منهجا وصفيا لكل منطقة على حدة ولكن لم يكن هناك إشارة كذلك وصاحب تاريخ المغرب المجهول أوغست مولير نعم أوغست مولير كذلك هو كذلك أعطى جوانب وصفية لمجموعة من المناطق ولكن حتى الدراسات ديال بول باسكو لحوش دو مراكش مثلا لان في تناولي لهذا الموضوع حاولت ما امكن ان اعثر على دراسه انيه كومبوتومبوران معاصره من اجل ان هذه ولكن مع الاسف حتى الرحلات التي اشار اليها الاستاذ هي يتكلم عن رحلات ما قبل القرن التاسع عشر على اعتبار بان تلك الرحلات كانت فيها سفارات كان فيها مشكور اسمح لي لا ما كاين مشكل فيما يخص الرحلات هي اشاره كاين واحد السيد كتب واحد الكتاب على الطبخ في الرحلات من الحروب الصليبيه قبل القرن 19 حتى القرن 19 الحروب الصليبيه القرن 15 القرن 16 القرن 17 القرن 18 القرن 19 ويقدر يفيدك واخا من بعد نخرج دابا السؤال اللي عندنا خصنا نمشيو مازال الخدمه عندنا في العشيه مازال نحكيكم مع الجوج ونص ان شاء الله دونك سؤال تخي تخي رابيدمون خالد حجي كولتور اي اكزاجيراسيون كولينير اي اكزاجيراسيون هذا الفينومين ديال الاكزاجيراسيون في القصايم
Dans quelle mesure vous pouvez le lier à la mentalité marocaine, qui parfois est accusée d'exagération, la mentalité des extrêmes, quoi. Dans quelle mesure, surtout. Pour rapidement, mais bon, ça faudra développer la chose. Effectivement, donc la question de tout ce qui est d'abord oral, de la culture orale, il y a l'exagération, que ce soit dans les mille et une nuits, que ce soit dans les proverbes, que ce soit dans les représentations que nous avons des choses, etc. Il y a exagération. D'accord ? Exagération de luxe, exagération au niveau du raffinement, qui dans le contraire, vous n'avez qu'à voir les salons marocains, sont tellement recherchés qu'ils deviennent rococo, ils deviennent baroques, et donc il n'y a même pas de. Il y a trop de motifs, trop de choses. Donc ils donnent le sens contraire, ils donnent l'effet contraire. Alors concernant l'exagération et la pensée marocaine, oui, il y a effectivement, on exagère et tout. C'est très compliqué pour inviter maintenant les gens. Les gens, autrefois, on pouvait les inviter normalement et maintenant, pour inviter les gens, c'est très compliqué. Donc, pourquoi compliqué? Parce qu'il y a le sens de l'exagération. Par exemple, on invite une personne, mais on lui sert un kilo de viande au niveau du tagine. Ça n'a aucun sens. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on dit on ne va pas servir le plat vite. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc, cette mentalité se manifeste aussi dans beaucoup de choses. On ne va pas, dans certaines régions, je ne donne pas, ma soeur était affectée dans une région et n'avait pas encore de frigo. Donc elle a acheté quelquefois des demi-kilos de viande hachée, tout ça, ou quelquefois de 50 grammes. Le boucher commence à la regarder de côté. Pourquoi? Parce que les habitants de là-bas ne jettent pas un quart de kilo ou bien un demi-kilo. On la regarde comme ça et quelquefois on ne veut pas la servir. La même chose pour les légumes, la même chose pour le dessert. Question de culture d'exagération. Pourquoi? Parce que ça diminue. Donc le fait de ne pas se situer dans l'exagération, ça diminue. On n'avait qu'à voir le discours au niveau des cafés à propos des matchs de football, au niveau de certains, la manière avec laquelle le vendeur, le marchand, vend les habits, la manière avec laquelle on vend les bijoux, c'est toujours l'exagération. Zwar flandra. Zwar flandra entraîne la démesure, nécessairement la démesure. Et ça va encore plus loin, ça pose des problèmes également au niveau des relations du couple. Parce que quand il y a rencontre, on reste dans l'exagération, le zwar, zokhrofolkable, et après, quand le mariage est consommé, ça pose des problèmes, parce que c'est la réalité crue. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Bien mon affaire. Merci. Donc, rendez-vous à 14h30. Et merci pour le public. Et merci pour tout. Voilà, comme ça.